Ça va, Rabbi Manu? Non. Tu m'entends pas? Ah. Demande à maman, demande à maman. Ah. Bon, Hillel, fais attention. Ça va, Jonathan? Ça va, Baruch Hashem. Manu, une petite question. Tout à l'heure, j'ai mangé sans faire exprès. Enfin, sans faire exprès. J'aime bien, c'est quand ça commence comme ça. C'est... j'ai mangé ce qui me semblait être une brioche au chocolat. J'ai pas mangé une grosse, j'ai mangé un morceau comme ça. Ce qui me semblait être une brioche au chocolat. Et ma femme, elle m'a dit qu'elle a fait avec le même pain qu'elle a fait les chalotes. Si tu veux, je te montre en live comme ça. Bon, ça, c'est le pain. Et juste à côté, il y a une brioche. Là, je ne sais pas si tu la vois. Ouais. Où il y a du chocolat dessus. Ben, c'est le même pain. C'est le même, même recette. C'est le même pain. C'est, ouais, avec le même pain, elle a fait du chocolat dessus. C'est sucré, sucré. Moi, j'ai senti très sucré. Moi, la vérité, j'ai senti tellement sucré que j'ai fait mes honneurs dessus. Mais je pense que c'est sucré, tu fais mes honneurs. Non, mais... ça ne dérange pas. Même quand c'est sucré, pour les halotes de Shabbat, on fera quand même aussi. Non, mais là, ce que je me suis dit, en fait, pour ma question... J'envoie un message à Avishai, je lui demande s'il est en vie. Ah oui. Ouais. Oui, ouais. Ça fait longtemps que ton beau-père, il n'a pas entendu Avishai. Non, moi, pourquoi j'avais une question comme ça? Parce que... quand tu prends du pain, par exemple, tu achètes une baguette et à la fin, tu mets du chocolat dedans, tu fais quand même motzi. Ça ne change pas le chocolat. Parce que toi, tu fais sur le pain. Dans la fabrication, c'était fait comme ça. Ouais, là, la fabrication, ça avait l'air d'être plus une brioche, comme je t'ai montré là. C'est pour ça que j'ai fait mes notes. Bon, je n'ai pas mangé un grand morceau, mais je me suis posé la question, est-ce qu'il fallait que je m'oblige à faire des chocolats? Hein? Encore une fois, c'est sucré? C'est très sucré, ouais, bien sûr. Alors, c'est mes notes, puisque... Non, mais on ne parle pas de la pâte. Hein. C'est le supplément qu'elle a rajouté dessus. C'est à la cuisson. Oui, Emmanuel. Ouais, oui, à la cuisson, ouais, je pense. Oui, j'ai de la part de Rabbi Yosef une excuse. Ouais. Il ne peut pas assister ce soir parce qu'il doit préparer je ne sais pas quoi. Ouais. Donc, par contre, demain ouais, il va venir. Moi, maintenant, je suis connecté par le téléphone, parce que je ne sais pas ce qui se passe avec mon ordinateur. Bah, c'est mieux, là. Là, on dirait que c'est mieux. Oui. Par téléphone, c'est mieux. Oui, on dirait que c'est mieux. Bon, alors, je vais prendre la Gemara. Allez, très bien. On commence un nouvel sujet, un nouveau passage, là. OK. Jonathan, que je disais... Et t'as répondu à Avishai? Non, attends, j'attends que... Et tu m'as demandé quelque chose d'autre? Non, je te demandais, est-ce que c'est bon? C'est pas, c'est bon? C'est quoi, c'est bon? Non, c'est ta question, c'est bon ou pas? Oui, donc... C'est-à-dire, demain, si je veux en manger, je pourrais faire mes notes. Si la pâte, elle est sucrée en elle-même, tu feras dessus mes notes. Bah, tu sais, c'est maintenant que c'est mélangé, tu sais pas c'est quoi qui est sucré. Quoi mélangé? Bah, je te remontre. Il y a du chocolat dessus. Mais c'est à la cuisson, ça. Oui, mais c'est du chocolat en plus. C'est-à-dire, elle a fait une, comme une recette de chocolat qu'elle a fait fondre. Et après, elle a mélangé, je crois. Avec, je connais pas très bien, mais si tu veux, je vais demander. Peut-être si c'est pas ta babe Kisnine, c'est bon, c'est mes anotes. Ok. Okay. Très bien. J'enlève le son. Allez, on commence, Rabotai. Allez, Bechavot. Attends.
Hier, on avait juste, donc on est d'Afkav Zayin Amoud Shin, Shabbater Shabbat d'Afkav Zayin Amoud Bet. Ouais. On s'arrêtait à là. On s'est arrêté à la Mishnah. Juste, je rapporte le dernier Tosfot Onin chez le Pishtan. Rashi avait expliqué qu'on parlait du Pishtan qui n'a pas été filé. Tosfot explique pourquoi il a expliqué comme ça Rashi. Parce que chez Tiwael, avec les fils de long et de large, on en a parlé juste avant. Donc ça veut dire qu'Onin chez le Pishtan, on est encore en avant, avant. Avant l'étape de filage. Et Tosfot dit, je ne suis pas d'accord. Ri dit, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Il dit, depuis quand Onin chez le Pishtan, si c'est l'étape, comme tu dis, avant le filage, c'est Mekabel Toumat Negaim. Ce n'est pas normal. Toumat Negaim dans la Torah, c'est marqué chez Tivarev. Ça, c'est la question de Riva. Moi, je pensais répondre à la question de Riva que ici, la Toumat, elle est de la banane. Comme Tosot aussi, ils ont dit en haut dans le Tosot précédent au sujet de la Toumat par rapport à la Souka. D'accord ? Au niveau de Onin chez le Pishtan, c'est un problème par rapport à la Souka. Mais de la banane, c'est un problème. Bon, maintenant, Riva, il n'est pas d'accord avec ce que je dis. Et Riva, il propose de répondre. Que Onin et le Pishtan, en fait, ce sont aussi de ces filets. Seulement, hein, c'est du lin. Et quand on a dit Sheti Varev, on parlait de la laine. En effet, la laine, le Sheti et le Varev sont reconnaissables. Vraiment, tu te rappelles comment ils faisaient le fil à l'époque? Tu te rappelles comment ils faisaient le fil? Comment? Ils mettaient dans la main, ils faisaient comme ça. Non, le Sheti, ils le mettaient sur le dos de la main. Ouais, et le Varev. Il le faisait comme ça. Ouais. Donc, quand il faisait les fils, dans la manière dont il le faisait, c'était reconnaissable. D'accord ? Par contre, le Pishtan, ce n'est pas reconnaissable. Le Sheti et le Erev n'est pas reconnaissable. D'ailleurs, comme on voit dans la dans Maserta Vodazara, quand là-bas, on a attrapé un des Tanaïm, on lui a dit, pourquoi on t'appelle Rav ? Il a dit, moi, je suis Rav des Gardiim, du tissage, des tisserands. Je suis le rabbin des tisserands, le boss des tisserands. Il lui a amené deux pelotes, de lin, une Sheti, une Erev. On lui a dit, vas-y, dis-moi, qui est Sheti et qui est Erev. Donc, ça veut dire que ce n'est pas reconnaissable. Donc, il y a eu un miracle, il y a eu un frelon mâle, un frelon femelle. Le mâle, il a été dans Sheti. Le mâle dans le Erev, je crois, et l'autre dans le Sheti. D'accord? Et grâce à ça, il a remarqué. En tout cas, de cette manière-là, on voit dans Avodah Zarah, on voit que ce n'est pas reconnaissable. D'accord ? Celui qui en a. Bon, ça, c'était pour finir l'autosphote Onin. Et l'autosphote qui précède, l'autosphote où on a dit qu'on allait revoir. Et là, Adela Papa, ce n'est pas très difficile. Là, on s'est arrêté, en fait. Il n'y avait pas une grande difficulté. On la laisse, puisque je préfère qu'on commence un nouveau sujet. C'est bon ? Allez, on commence la nouvelle Mishnah. Amos ? Oui ? Pourquoi je suis là aussi. Hein. Tu es bloqué ? Non, parce que son image, elle est bloquée. Qui, moi ? Ouais. Oui, j'ai bloqué. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas grave. Mais tu me vois, moi, par contre. Non, je ne te vois pas, mais je t'écoute. Ah, ok, d'accord. Allez, Mat Nijin. Quand la Yosem Inaes, en Badjikim Boe la Pishtan. Quand la Yosem Inaes, en Omitamet Mato Alim la Pishtan. Tout ce qui sort de l'arbre, on ne peut pas l'utiliser en tant que mèche, sauf le pishtan, le lin. Rashi dit de quoi on parle. En madlikimbo, la sot petila, mi kanbos, ou begit kanbos, ou mesem el gefen. Dit Rashi, on ne peut pas utiliser le chanvre, ni un vêtement qui est fait donc à base de kanbos, de chanvre, non plus à sem el gefen. On ne peut pas non plus faire des mèches avec le coton. Ouais. Moi, je me rappelle, Zichrona Livracha, ma grand-mère, quand on l'aidait à faire les mèches pour Shabbat. Pour Shabbat, pour la Kabbalah Shabbat. Le Kendel. Ah, le Knadl. Alors, elle prenait des morceaux de, comment on appelle ça, elle coupait du journal, du papier journal, elle faisait des petits carrés, puis elle les trouait. Elle est trouée à une sorte d'aiguille. Et après, on prenait du coton. Ouais. Et on faisait une petite pétilla. Et on rentrait dans le trou. Comme ça, on l'aidait. Donc, mais on voit de Rashi ici qu'il interdit a priori le coton. Ouais. Le Tana nous dit, selon lui, Kola Yosemina S, El Madlekimbo et la Pishtan.
Ouais. Comment ça Ouais. marche? Comment ça se fait que ma grand-mère, elle faisait ça alors? Alors que Demande à toi, ta tu dis. grand-mère. Hein? Demande à ta Ah, grand-mère. comme elle n'est plus ici, alors j'ai vu Tosfot. Alors Tosfot disent qu'en fait, regardez Tosfot, Ven, quoi? On ne peut pas utiliser des mèches de coton. On voit que tout le temps, on utilise le coton pour allumer en tant que mèche. Il fait une très bonne mèche, le coton. Comment ça se fait que le Tanas, l'auto Rachid, a exclu? Sur ça, Rabbeinu Tam explique, Vomeri, pardon, réexplique. Bien sûr qu'on peut les utiliser. Le chanvre et le coton, on peut les utiliser en tant que mèche. Pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent pas dans la phrase du Tana. Ce n'est pas quelque chose qui sort de l'arbre. Le coton n'est Voilà. pas de, le coton n'est pas un arbre. D'accord? Et la zera, d'accord? C'est comme vous dites, c'est pas le blé. Le blé n'est pas un arbre. D'accord? La même chose. Et la zera ou kidamli b'mnachot, comme on dit dans Mnachot, kanbos velof asratora. Kanbos velof, kanbos asratora. Et après, c'est marqué sh'arzeraim. Donc, je vois bien que kanbos, c'est un zera aussi. Au pishtan, a mis minzera. D'ailleurs, même le pishtan, on a dit dans la Mishnah, c'est un minzera. Ouais. Et pourquoi on a dit, alors, ici, on a dit, koleyose minares, el madirimbo et la pishtan, comme si le pishtan, c'est ares. Comme on verra dans la Gemara. C'est vrai que normalement, c'est un zera. Mais on a vu que la Torah, elle a utilisé le terme de ares au sujet de pishtan. D'accord? Elle a dit, c'est le matin, il est marché pishtan, mais je me dis que la ares, qui dit, etc. D'ailleurs, même il y a une Da'a qui pense que les mains de Aita. Vous voyez, il y a une Da'a qui dit que le Hita, l'arbre de Adam Alishan, c'était le Hita. Ouais, et pourtant, c'est pas Aïs, on voit bien que c'est pas Aïs. D'ailleurs, comme la Gemara dans Brachot, elle dit, qu'est-ce qui s'appelle Aïs? Tout arbre que quand tu le plantes, il donne des fruits. L'année d'après, il redonne des fruits. Ouais, le même arbre, il redonne. Tu vois bien que ce n'est pas le cas au sujet de cela, de ce qu'on a cité là. D'accord? Pishtan, Kanbos, Semergefen. Si tu enlèves le fruit, la branche, la tige ne donnera pas d'autres fruits. Elle va mourir et il faudra replanter pour en avoir des nouveaux. Donc voilà pourquoi. Ma grand-mère, elle utilisait le coton. Ah, voilà. Oh. Elle avait dû faire deux fautes. Elle a dû faire deux autres. Ah là là, je Allez. vous assure, ces bonnes femmes, elles n'avaient besoin ni de tous fautes ni tout ça. Ils avaient tout, tout de, par la tradition. Vraiment incroyable. C'est vrai. Ils savaient tout, ils savaient tout. Allez. On continue. Le Tana nous dit après le deuxième djinn. Vechola yosemina es. Tout ce qui sort de l'arbre, eh bien, il n'y a pas tumat oen et la pishtan. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid, il a dit, il a expliqué. Pourquoi il a expliqué comme ça, Rachid? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Ah, ok. Rachid, il a dit, si on a fait Ohel avec le Pishtan, alors là, il n'y a pas de Ohel. On ne peut pas considérer ça comme Ohel. Le tomate Ohel. Donc, on le considère comme une maison. Et dans la maison, quand il y a un maître, les kélims qui sont là-bas se mettent. Mais, bah, non. C'est ça qu'il a dit Rachid. Je l'ai regardé un petit peu aujourd'hui. Alors, Et alors, pourquoi Rachid l'a expliqué comme ça? Qu'est-ce que j'aurais pu penser? qu'est-ce que tu aurais voulu que vas-y, explique-toi. À la place de Rachid, tu aurais dit quoi? Peut-être si on rentre quelque chose comme ça dans le Ohel, où il y a Met, il devient pas tamé. C'est pas ça qu'il veut dire, Rachid.
Rachid a dit, c'est pas... Alors patiente, très bien. Tu veux patienter un petit peu? Oui. 5 minutes. Ok. On attend 5 minutes. Donc, okay. Donc comment on comprend la phrase? Quand la séminaires est nommée Tumato Ali et la Pishtan, ça veut dire que Tumato, il n'y a que dans Pishtan. Dans Tumato, il y a deux choses. Quand un Oel, quand il y a mort dedans, tout l'Oel est tamé. Tout ce qu'il y a dans l'Oel est tamé. Voilà. La Touma, elle se disperse, elle se diffuse dans tout l'Oel. Voilà. Deuxième djinn, et c'est celui-là que Amos il a parlé, c'est que la tente elle-même, le Oel lui-même, est-ce qu'il vient tamé ou pas? Eh bien, on t'apprend qu'il n'y a que le Pishtan qui vient tamé. Toute autre tente, ouais, qui est faite d'une autre matière, donc selon Rashi, par exemple, chanvre et coton, d'accord? Ou bien on va dire, nous, bois, etc. Ouais? Eh bien, le bois lui-même ne sera pas Merkabel Touma. La tente n'est pas Merkabel et Touma. Il y a diffusion de la Touma. Même ça, on va voir d'où on le sait, hein, à Gaz. Il y aura diffusion de la Touma. Mais lui-même, il ne sera pas tamé. C'est incroyable, ça, quand même. D'accord? Très bien. Allez, on y va. Demande okay. À Gmara. Alors, pourquoi Bémet, il n'y a que le Pishtan? Rachid dit, Afao est tamé. Il n'y a pas que la diffusion. Même le Oel, il est tamé. D'accord? Comme c'est marqué, Wehiza ala Oel, Valkolakilim. La Torah, elle dit, tu feras aspersion de la vache rousse, ouais, sur le Oel. Ça veut dire que l'Oel est devenu tamé. De quel Oel tu parles? Oel chez le Pishtan. D'où je sais qu'on parle d'Oel chez le Pishtan? On dira, si on verra dans la Gmara. D'accord, okay. Voilà ce qu'on a. Gmara. Menala le Pishtan ikra es. D'où on sait que le Pishtan s'appelle Aes. Oui. D'où on sait. Amara, Amar Marzutra, Damarkra, Vehi, Aelat Amagara, Wajit Menebe Pishte Haes. Elle les a montées sur le toit et elle les a couvertes. Oui, Raham. Oui, elle les a couvertes. Pishte Haes. Avec Pishté, Pishtan, Aes, Pishté, Aes. Donc on voit bien qu'on a appelé le Pishtan le là, on l'a appelé Aes. Point. Avant de commencer la Sugya maintenant, qui va traiter donc la deuxième partie de la Mishnah, donc ça va être une Sugya qui est donc dans Daf Kafret à Moudrichon. Alors je fais d'abord le Tosfot, le dernier Tosfot du Hamoud. Tosfot, Enometame Touma Toalim et la Pishtan. Tosfot disent, on a vu dans la Gemara de Ovia Mardat. On a dit, oui. Adam Rina Nahid Bepelekama va à l'asman Bechol Shehe. Bashma, de Kola Kelim Naasin Ohel le Kabel Touma. Tous les Kelim, quand ils sont au-dessus d'une Touma, ils sont Mekablim Touma. Oui. Mehamat Ohel. Dis-toi, ça n'a rien à voir avec notre sujet là-bas. Ici, on parle de quelque chose qui est fixé sur le sol. Que c'est un ohel. D'accord? Chehibro la karka. Même si au départ c'était un vêtement, chehibro la karka. Kiwan, chehibro la ohel, bitlo, miturat beged. Comme il a fixé, c'était un beged au départ, un vêtement, il a fixé, c'est fini. Il n'a plus la Torah, la loi du beg et du vêtement. Et dans ce cas-là, bien que le pishtan, c'était un vêtement, si tu en as fait un ohel, il est quand même mekabel touma. D'accord? Ça n'a rien à voir. Cette sugia-là et la sugia de là-bas n'a rien à voir. Tout est mekabel touma. Mais ici, on parle lorsqu'il hibro la karka. Ok. Mais quand je l'ai dit, il pose une question, une grande question. Il dit, je ne comprends pas. On a d'Etnan Be'aholot, on a une Mishnah là-bas dans Maseret Oholot, qui dit la chose suivante. Elo mevi'in v'hosessin. Voilà les choses qui amènent la Touma, qui diffusent la Touma, et qui font écran, et qui bloquent la Touma. Ça veut dire, elle ne passe pas au-dessus. Ça bloque, ça la diffuse et ça bloque. Mm-hmm. Et dans la liste là-bas, c'est marqué Sheda, Teva, et dans la liste, Sadinim. Or, on sait très bien que Stam Sadin s'est fait en lin. Et si c'est en lin, Pishtan. Et si c'est en Pishtan, d'après le Tanat Mishnah,
c'est Mekabel Touma. Et si c'est Mekabel Touma, on a un principe que tout ce qui est Mekabel Touma n'est pas Khoses. Pourquoi donc le Tana là-bas il dit voilà ceux qui sont Mevi'in et Tatouma vers Khosesim et qui bloquent la Touma. Voilà la Kouchia de Ri. Réponds Ri et Shlomar. Des Maïri Bessadinim Shel Menshin, Rouim Shena Metamin. Tu sais de quoi on parle là-bas? Bien que de manière générale, Sadin, c'est en Pishtin, là-bas, on parle de soi. On parle de Meshi. Sadinim en soi. Et donc, Enachenami, la Touma se diffuse, comme on l'a dit, mais elle ne passe pas au travers. D'accord? Ça, c'est une réponse. Verashba Piresh Be Mishnayot Be Ainyan Aher. D'accord? Il y a une autre réponse à cette question, Béhmet. Aval, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On commence la nouvelle Sugia. Ok. Menalan, d'où on sait que le Ohel Pishtan, il est Mekabel Touma. Menalan, Amar Rabbi Azar, bien qu'il soit Etz. Bien qu'il soit, je ne sais pas ce que veut dire bien qu'il soit Etz. Je ne vois pas pourquoi Etz. Non, parce qu'on a dit Etz, c'est le Mekabel Touma. T'as raison. Mais ça, Agufa Minaïn. Ah. Agufa Minaïn. Qui a dit qu'il n'y a que le Pishtan qui devient Tamé? Question. Et pour la Gemara, Amar Rabbi Elazar, Gamar Oel, Oel, Mimishkan, Kafret Amodishon. On apprend une Gzera Shava, Oel, Oel de Mishkan. Comment? Ktiv, Archa, Zot, Torah, Adam, Kiamud, Beoel. Ktiv, Atam. ויפרוס את האוהל על המשכן. מה להלן של פשטן קרוי אוהל? אף כאן של פשטן קרוי אוהל. וואה. אני לא מקום חוסה. זה מרקה, דיל הגמרא, הוא נפחון גזירה שווה, אוהל, אוהל במשכן. דון תומעה, תומעת מת, זה מרקה, זאת התורה, אדם כי ימית באוהל. כל הבא אל אוהל וכל אשר באוהל, יטמע שבעת שמים, ויזע על האוהל ועל כל הכלים. זה כן אוהל שיפר. כמו לאוהל, לאוהל אלפת כמו, לטונט, הבעיה של גזירה שווה. יענות פסוק או סוג'י במשכן, וזה מרקה לבא, הוא יפרוס את האוהל על המשכן. אלא גמרא אלא נצחן קומפחון, ראשי קומצא להקפיק, הוא מראה פחית תוספות, הוא יפרוס את האוהל, הוא פרל, דפישתן. Le toit, il est fait dans le Mishkan en Pishtan. Donc, le Oel, il est fait en Pishtan. Ouais, en fait, il n'y a pas que du Pishtan. Mais pour le moment, je fais simple. Pour ne pas qu'on s'embrouille, je fais simple. Oui, France est à Oel à la Mishkan. Mal à l'Anchel Pishtan. De la même manière que dans le Mishkan, le Oel, il est en Pishtan. Même le Oel de. Il y a marqué Oel. C'est Pishtan. Mal à l'âge de Pishtan Karouel, Afkan, c'est Pishtan Karouel. Jilagmara. Et mal à l'âge chez Zorin, Vechotan Kafoul Shisha, Afkan, chez Zorin, Vechotan Kafoul Shisha. Si tu apprends du Mishkan, va jusqu'au bout. Là-bas, les fils du Mishkan, chaque fil il était torsadé, il était sextuplé. C'était des fils constitués de 6 fils de lin. Alors peut-être c'est ça d'après qui est, même dans tout Matmet. Torsadé plus Kafoul Shisha multiplié par 6 chaque fil. D'accord. Ok, la Golotana ne nous a pas dit ça. Ah. Il suffit que c'est Pishtan et c'est tout. Il n'est pas rentré dans le détail du fil. Et pour la Gemara, Talmud, Lomar, Oel, Oel, Eliba. Oui, mais il écrit plusieurs fois le mot Oel dans tout Matmet là-bas. Ah, j'ai inclus. Et la Gemara, si tu as inclus, inclus tout Oel alors. Et Oel, Oel, Eliba, filo comme il est nommé. Ouais, toutes sortes de Oel alors. Et pour la Gemara, Imken, Gzera, Shava, Mayanele. Si c'est comme ça, à quoi elle sert la Gzera, Shava? Fin. Je m'arrête là une minute. Et attends. Je répète ce qu'on a obtenu. Mm-hmm. Le pasour qui a dit Zota Torah, Adam, Kiamut, Be'Oel, il ne parle que de Oel Pistan. Qui est à. Pishtan. Alors maintenant, je pose une question. J'ai une maison. Ouais. Il y a un mort dans cette maison. Réhouven, il rentre dans cette maison. Il est tamé ou pas?
Lui, il est tamé, oui. Où tu sais? Non, il n'est pas tamé. Et c'est ça la lacha? C'est pas, non, c'est pas, la maison, ce n'est pas Oel, la maison. La maison, ce n'est pas Oel. Il est tamé ou pas? Cra, avec tes cras, attends. Ah là, la question qu'on a. Si je m'arrête dans la sougia, je suis en train de dire Zot à Torah Adam Kemut Beoel. Toutes les histoires d'Oel, toute la paracha d'Oel, c'est ici. Et ici, c'est marqué qu'un Oel, c'est que Pishtan. Autrement dit, tout il y a aucun autre Oel. Dans tout autre endroit, ouais, dans, je sais pas, une maison, une tente faite de coton, une, ce que vous voulez, il n'y a même pas diffusion de la Touma. Même diffusion d'Atouma, il n'y a pas. Alors, on sait que ce n'est pas ça, là, la Kham, n'est-ce pas? C'est connu. Ouais, ça, c'est là pour chaque Rashi. Là. Rashi, de toute façon, il pose la même question, il répond de la même manière. Regardez, Rashi, la quatrième ligne de Rashi, à partir du haut. Ve'i kashia kiwan de yalif mi mishkan kelim ve adam shitahat gaga bayit ve chol sharo alim de lo damu le mishkan melanan de mitmou. Mais qui a dit que c'est tamé alors? Je rentre dans une tente qui n'est pas fait de pichal, qui a dit que je suis tamé? Réponse. Vous n'avez pas de retouillard. Dans ce cas, on voit que non. Réponse. Rashi, Bessifri, Tania, Minay, La, Soch, Aramaïlim, Koel, Amarta, Ma, Mesora, etc., etc. On apprend bien. On apprend d'un autre côté, d'une autre chose. On apprend de Mesora. Vous savez que le Mesora, quand il rentre dans une maison, tout ce qui est à la maison est tamé. La Touma, Toumat Oel, dans le Maître, ouais, on l'apprend de Mesora. Vous avez compris? Vous avez vu le ritouche ici qu'il y a ici. Tosfot, il pose la même question. Tosfot, imken, gzera shava, may ahanele. Tosfot, il pose la même question et répond comme Rashi. Vea de amrin el kol poté artef armevi et tatouma. On a une Mishnah. Kol poté artef, dès l'instant, il y a une ouverture, un espace d'un tef, ça diffuse la touma. Ayinu mikal wa homer mi mesora, dis Tosfot, ked yali besifri. Ouk de pirej be kontras. Alors, tout ça dit, si c'est comme ça, j'ai une question. Vous savez qu'il y a un principe dans le Messora, c'est que si le Messora, il est assis à la maison ou même debout, tu rentres dedans, t'es tamé. Mais s'il est que de passage, il ne s'arrête pas, il n'y a pas la Touma. Alors, peut-être on va dire la même chose au sujet de Toumat Met. Ouais. Si ça bouge, si la Toumat Met, elle bouge, il n'y a pas Toumat Oel. Or, ce n'est pas vrai. Et pourquoi on ne dit pas d'ailleurs là-bas Minadin Liot Kenidon? Si on l'apprend à partir d'un Kalwa Homer, à partir de Mesora, oui, t'as qu'à dire d'ailleurs là-bas Minadin Liot Kenidon. Et uniquement lorsque le mort est stable, ouais, il ne bouge pas. Dans ce cas-là, il y a la Toumat Oel, sinon non. Ça, c'est oui, la... j'ai jamais vu un maître qui bouge, moi. Non, on le déplace, on le déplace. Non, je sais, je sais. Ah, je savais que tu rigolais pour ça. Ok. Alors, regardez Tosfot. Je lis dans les mots de Tosfot. Vim Tomar. Ve'ech yalif. Ve'ech yalif. Nima dayo kimsora. Shelo itame. Ela tumat. Ah non, j'ai mal posé ma question. Ela tumat aerem. J'ai mal posé. Il manque de la question. Ah, aerem. Le Messora, quand tu rentres dans son OL, tu es tout matin, et nous on a dit tout matin. Donc, ça, c'est un point. Deuxième point, le Dafta Beromet, au Beyoshev, le Laurent qui est des derniers, mais ma serrette Negaïn, au Maïkila Bepelekamadi Kidushim, Tamei, Yoshev, Dahatilan, etc. Alors, Tosfot répond, Veishlomar, la réponse est un petit peu difficile, mais Tosfot répond de la manière suivante. Dehen, Oela, Giloui, Milta, Be'alma, Mikal, Wachomar, de Messora, דלית לנו מילף אול אול ממשכן לעניין למעט הבאת תומאה בשאר העלים, דלה פשטן, ולא ילפין ממשכן אלא לתומאת עצמו. אפילו מחובר, לדווקא פשטן. מלכה. ולא שאר יוסי מן העס. ולעניין אול שאין עשוי בידי אדם אלא ביהודה בפרח שני דסוכה. אצטרה, אצטרה. אז כי ריבון תוספות. Soit ils disent en fait, le fait d'apprendre Kalva Homer de Messora, c'est juste un Giloui Milta. C'est pour m'apprendre que, sache que même dans Toumat Oel, dans Met, dans Toumat Met, il y a aussi le problème de Toumat Oel qui diffuse la Toumas. Il y a
autant que mes sœurs. Il y a ça. Oui. Seulement, ce que j'ai appris de chez nous, c'est que même le OL lui-même, il est tamé. Et ça, c'est que dans le pishtan. D'accord ? Encore une fois, dans les mots. Veshlomar de Noela Gilui Milta Be'alma Mikal Wahomer de Mesora, de Letla Lemilaf OL OL Mishkan. Je n'apprends OL OL de Mishkan, pas pour être mes maîtres, diffusion de la Bisharo Alim, de la pishtan. Non. L'OL final Mishkan est la Tumat Asmo, la Tumat du OL lui-même. Il nous met Hubbag. Les Davka Bepishtan et Pash Ayo Seminaes. De même au sujet de Oel Sheno Asu Bide Adam. D'accord, Rabbi Houda, il apprend aussi du Mishkan. Quand le Mishkan était fait par Bide Adam, n'est-ce pas? Si vous avez maintenant un Oel fait par la nature, ouais, un sel, un rocher qui est troué, une grotte, ouais, qui est fait par la nature, comme ce n'est pas fait Bide Adam, il n'y a pas de diffusion, selon Rabbi Houda. Comme on l'a vu dans Maseret Souka. D'accord, ça n'amène pas la Touma. Bon, faut voir là-bas la Souga, mais en tout cas, c'est ça que tu souhaites répondre. Très bien. On a fini un premier petit volet. On continue. Demande à Gmara, je ne suis pas content là. Pourquoi? Si c'est vrai ce que tu dis. Mar Kadashim. Oui, maman, la lame Trashim, Afkan Trashim. Alors, cette question, on peut la comprendre de deux manières. Les Trashim, ils étaient où? Les Trashim, c'était les murs du Mishkan. Ce n'est pas l'Oel qui est au-dessus. Comment la Gemara? Oui, maman, les Alan Trashim, de la même manière que dans le Mishkan, il y avait des Trashim. Alors, même au niveau de Toumat Met, les Trashim rentrent tamés. Rachid dit quoi? Même si vous avez un Oel fait de bois, entièrement fait de bois, eh bien, il devient tamé. Noël devient tamé. Ça, c'est Rachid. De toute façon, il n'est pas d'accord avec lui. Et dis-moi, depuis quand les murs, ça s'appelle des murs, ça s'appelle Oel. Oel. Ouais. Caché les rivas, Pirouche Rachid. Déat fano ten krouyot Oel. Et là, à Mirce, chez Milemala ou Karouy Oel. C'est ce qu'il y a au-dessus qui s'appelle Oel. Et ça, c'est Bekrashim. Hein? Et ça, c'est Bekrashim dans le Mishkan. Non, le Bekrashim dans le Mishkan, c'est en mur, c'est pas en toit. Et alors, donc c'est bien alors, ce qu'il a dit. Lui. Donc, ok. Donc, il est marché sur le pirouche de Rashi. Il ne veut pas le pirouche de Rashi. D'accord? Parce que le Bekrashim, c'était Mechisot. C'est des Mechisot. Donc, toi, Rashi, tu as dit, j'apprends des Mechisot pour le tout le OL. Mais ce n'est pas vrai. Les Mechisot, c'est des Mechisot. Ça, tu expliques autrement. Quand la Gemara a dit Krashim, c'est quoi la Kavana? C'est que tu as le Ohel, il faut que l'Ohel soit en Ohel, et les murs, ils doivent être en Krashim. C'est comme ça qu'on définit l'Ohel, quoi. Voilà. Et si tu vas me dire, mais tu vois pas, tu vois bien qu'on ne rentre pas dans les détails. Tu as vu qu'on ne rentre pas dans les détails. Kafoul Shisha, oui. On n'a pas besoin. Torsade, on n'a pas besoin. Même les fils du Ohel. Tu as dit qu'il y a du pishtan, il y a aussi du sem. Et tu as dit, on ne rentre pas dans le détail. Alors tu vas me dire, là aussi, on ne rentre pas dans le détail. Il dit, ce n'est pas la même chose. Et si un OL, en général, est fabriqué de murs plus de toit, un OL entier, c'est mur plus toit. D'accord? Voilà pourquoi la Gemara a posé la question. Voilà comment la Gemara pose la question. Regardez dans les mots de Tosfot. ומפרש דאחיך אמר, דימה להלן קרשים בעדי פשטן, אך כאן בתומעת אוהל קרשים בעדי פשטן. ואף על גב דה אוהל, אוהל ריבה, לעניין דה לא בעינן שזורים בול כפול שישה, וכן לעניין דה לא בעינן סמר ופשטים יחד כעתם, אלא אפילו פשטים ולא סמר. מכל מקום, מריח דה ליהווה קרשים בעדי פשטים. Très bien. Continue. Ok. On continue la Gemara. Donc, devant la Gemara, Vemamal alan Krashim, Afkan Krashim, Amarkra, Vafita Kerashim, la Mishkan.
tu feras les talachim au Mishkan. Donc le Mishkan, vous savez que le Mishkan, ouais, il est déjà fait. Mishkan, c'est un Ohel. Ouais. Des talachim pour le Mishkan. Voilà, ça veut dire que les talachim ne sont pas Mishkan alors. Vasita Kerashim, la Mishkan. Mishkan, Karoui, Mishkan. Ven Kerashim, Kurouim, Mishkan. Ah. Si c'est comme ça, il a dit Vaifro, c'est Taol, à la Mishkan. Le Mishkan n'était pas fait pour le Pishtan. Vaifro, c'est Taol, à la Mishkan. Le Mishkan, il était déjà. Oh, elle alors. Alors, je te lis un passouk. Et le Mishkan ta'ase 10 yeriot. 6 mojza. Ah. C'est bon? Ah oui. OK. C'est bon. Allez, voilà, j'ai répondu. Merci. Voilà. Non, je me suis posé la même question. Hein. C'est pas que la question elle est bonne et j'ai cherché la réponse. Hazard. Et le Kerashim, donc dit la vasit Kerashim la Mishkan. Mishkan, Karoui Mishkan, Ve'en, Kerashim, Kroyim, Mishkan. Point. Rashi, regardez Rashi. Mishkan, Karoui Mishkan, Kegon, Aeser, Yeriot, Shesh, Moshzar. Ou Mishkan, il crée Oel. Et Mishkan, il s'appelle Oel. Dirtiv, et Mishkan, Oel Moed. Mishkan, Oel Moed. Donc Mishkan, il s'appelle Oel. Et Aeser, Yeriot, Shesh, Moshzar, ça c'est Mishkan. Ouais, donc tout est bon. Par contre, le Kerashim, c'est la Mishkan. Alors, demande à Gmara, si c'est comme ça, j'ai un problème. Oui. Et la Méat, t'as vu Mirce Laol. Ah, c'est ça. Voilà. C'est quoi Mirce Laol? Vas-y, t'as Mirce Laol. Achinami, Mirce Loetre Oel. Tu vas me dire, c'est quoi Mirce Laol? Ah? Mirce Laol, la Mirce, il n'est pas Oel. C'est Laol. Le Mirce, il est fait de peau. Ouais. Alors, va assis, t'as Mirce Laol. Donc, tu as un ami, Mirce Loetre Oel. Ah oui, c'est une autre question. Que le Mirce, la couverture de peau qui était dans le Mishkan, sur le Mishkan, il n'est pas, il ne s'appelle pas Oel. Et là, Debaï Rabbi Elia. Et pourquoi oui, pas, oui, oui, il n'est pas Oel. Il n'est pas Oel. Un Achenami. Voilà. Il n'est pas Oel. Il n'est pas Oel. Alors, demande à Gmara. Il devient Oel quand tu le mets. Non. Pourquoi? Vas-y, ta Mirce, la Oel. Ça veut dire, comme de la même manière, vas-y, ta Kerashim, la Mishkan. Ok. Que, voilà, la même chose. Vas-y, ta Mirce, la Oel. Ça veut dire que lui-même, il n'est pas Oel. Dis la Gmara, si c'est comme ça. Hein. Si tu vas me dire, alors, le Mirce de Horot, de Pau. Ouais, il s'appelle pas Oel alors. Oui. Tu vas me dire une achenami. Ouais. Il a gmara, si c'est comme ça. Elle a des barrières à Biel Azar. Or, ben, ma teme à maouche et teme Béoël Amet. Alors, comme on ne comprend pas la question de la Biel Azar. La peau d'une Béma Teméa, est-ce qu'elle vient teme Béoël Amet ou pas? Maouche et teme Béoël Amet. Est-ce qu'elle devient tamée, B.O.L. Amet ou pas? Ça fait un O, elle appartient d'une peau qui est tamée. Est-ce qu'elle est Mekabel et Touma, cette peau ou pas? Il est déjà tamée. Ashta, Orbe Mateora, l'homme est tamé. L'homme est tamé. Orbe Matemea, mi baya. Si déjà Orbe Mateora, tu as dit non. Parce que tu m'as dit que ça ne s'appelle pas un O.L. Alors, Orbe Matemea, j'ai besoin, toi, Rabbi Hazat, tu as besoin de poser la question. Bah, comme c'est tamé, on aurait pu peut-être penser que ça s'accumule. Que ça accepte, quoi. Que ça... Je suis au cours. Non, bon. Alors, dit la Gemara, Shani Atam. C'est différent la peau. Pourquoi? Il y a un autre pasouk qui nous fait sous-entendre que ça s'appelle lui, Aoïd. Et ils porteront, dit le pasouk, les yiriot du Mishkan, veto el moed, mirsehu, son mirse, ça veut dire mirse de Elim et Odamim,
au mirsé attache asher alav, ainsi que mirsé attache qui est au-dessus. Donc, il y a trois mirsé ici. Hein. Ouais, il y a deux ou trois, on verra par la suite. Mais en tout cas, il y a un mirsé fait de lin, etc. Et il y a un autre mirsé au-dessus, ouais, ou deuxième ou troisième position, on verra par la suite, qui est en tahash. D'accord ? Et donc, quoi ? Et on est mekish. Mekish, al-yon la tahton. On est mekish, les mirsés qui sont en haut, au mirsé qui est en bas. Or, celui du bas, comment il s'appelle ? Oel. Même celui du haut, il a un jean de Oel. Comment je sais que celui de haut ? Pourquoi celui d'en bas, Kalay Oel ? Celui d'en bas, c'est celui qui est fait en pishtan. Ah, tahash. Non, tahash, il est en haut. Il est où tahash ? Il est en partenariat avec les Elim et Odamim, ou il est au-dessus ? On verra ça par la suite. J'ai répondu à ta question. C'est bon ? Voilà. On a fait une première partie, un premier volet là. Alors juste, on fait les petites sautimes sur ce volet là. Et Malialem Kadashim ? Oui. Non, on l'a fait celui-là. Ouais. Vel Trashim Kroim Mishkal. La Gemara a dit Trashim, ça ne s'appelle pas Mishkal. Le soir du jour, Vekashenery, active Yesarua Khalsidé à Mishkal. Yesarua, il doit déborder sur le flanc du Mishkal. Misé au misé, les Khasoto de par là et de par là, pour le couvrir. Vamlin et Nekaman, Beazoret, les Khasot, Amash et Trashim. Et là-bas, on voit pour couvrir la mâche de Trashim. Oui. Veika le man de Amar, Amash el Adanim, Alma de Trashim, Mikle Mishkan. Tu vois bien qu'on est en train de dire Sidi Mishkan. C'est quoi Sidi Mishkan? Le côté. Sidi Teresh. Donc le Keresh, il s'appelle bien Mishkan alors. Ah. Pourquoi? Non. Mais pourquoi il dit ça? Vas-y. Le Mishkan et la Mishkan à cause de Oel. Vite, c'est Sidi Mishkan. Vas-y, donc. C'est quoi Sidi Mishkan? C'est Sidi Keresh. Oui, mais. Sidi Keresh. Oui, le Kerashim, ce n'est pas eux qui constituent le Oel. Ce n'est pas Oel, eux. Le Oel, c'est déjà avec le plafond. Il y a la roue. Al Sidé à Mishkan. Et c'est quoi le Sidé à Mishkan? Le Keresh. Le Keresh, j'avais bien Sidé à Mishkan. Il s'appelait bien Mishkan alors. Al Sidé à Mishkan. Alors, tu sois de répondre. Si on dit Al Kero Tabbait, Al Kero Tabbait. On dit Al Kero Tabbait. Le Bait. C'est quoi? Il y a le Ker et il y a le Bait. Non, c'est vrai. Ah, la preuve que je voulais faire, c'était oui, Al-Kerot Abbaït. Abbaït ou Asom Al-Kerot. Ken, Nahon. Yesh Lomar, dit Sidé à Mishkan, il crève l'homme Mishkan. De façon de répondre, c'est vrai. Sidé à Mishkan, ça s'appelle Ekrashim, mais Mishkan lui-même, non. Ah. Ok. Alors, on a fini la Sugya juste. J'ai sauté le premier Tosfot. Alors, le premier Tosfot, venons le voir rapidement. Vaïfros et Taol, c'est le début de la Sugya. Ok. Le début de la Sugya, c'est marqué quoi? Zot Torah Adam Kemut Beoel, Urtiv Atam Vaïfros et Taol. C'est quoi Vaïfros et Taol? Comment j'ai expliqué, moi? Comme Rashi a dit, Rashi dit, c'est de quel Oel on parle? La Pashtout, hein? Ouais. Pishtan. C'est ça le Mishkan. En tout cas, tu demandes Temaleri. Maintenant, qui t'a dit que le Vaïfros est un Oel? Ouais, on parle du Oel, c'est celui qui est fait en lin. Emma Aïn ou Yeriot Ezim? Peut-être ce sont les Yeriot Ezim. Dashkarna Be'adja de Kre Oel. On a vu clair qu'eux ils s'appellent Oel. Qu'est-ce que tu dis? Vaïfros est un Yeriot Ezim.
à la Mishkan en tant qu'Oel pour le Mishkan. Donc tu vois bien qu'eux, ils sont bien Oel sur le Mishkan. Vechen Mashma, Pshat et Dikhla. D'ailleurs, même le Pshat du Pasuk, c'est Mashma comme ça. On ne parle pas du Pishtan, on parle de Rizim. Pourquoi? Vechen Mashma, Pshat et Dikhla. Waifros et ta Oel. Dayinu Yeriot Rizim. À la Mishkan. Dayinu Shesh Moshzar. Kedirtiv, comme c'est marqué. Veta Mishkan, ta Aser Esriot. Donc le mot Mishkan égale Esriot. Oel à la Mishkan, ça veut dire Yeriot Rizim. Sur les Yeriot Shesh Moshzar. Donc, le début de la Gemara qu'on croyait qu'on parlait de Pishtan, en fait, on parle de Orot Ezim, dit Tosfot. Comment la Gemara l'a sorti qu'on parle de Pishtan? Yeshlomar, de Dayik Mishum, de Karaktiv, de Akamat Mishkan, il a été médaillé, la Gemara a été médaillée du Pasuk, où c'est marqué là-bas, dans, quand on a construit le Mishkan, le Hashiv Le'il, le Seder Akamatan, de Mithila Natan Adanim. Au départ, on a déposé les socles. Ve'achalkar Akerashim. Et après, on a déposé les poutres, les Kerashim. Ochti Vahar Akerashim. Vaifros et Taoel. C'est quoi Oel? Vaifros et Taoel. Ve'achalkar Mariaut. Ve'achalkar. Donc, c'est un machma. Il y a les autres tartonotes, les premières, chez M. Mozart, Dem Tchilat Afracha, c'est les premières qui ont été étendues. D'accord? Donc, a priori, c'est ça, oui, Flos, c'est un oi. C'est ça, la Kawana, même chez nous. D'accord? Ok. Et ma, ce sont des étonnants. Dama, il y a l'if, mais aïe, des Mishkan, aïe, il y a les autres, chez Mozart. Que dire-t-il? Kedirtiv, ouet, ta mishkan ta ase, aeser yeriot, ou mishkan yitre oel. Kedirtiv, et mishkan, oel moed. Tout ça demande pourquoi tu n'apprends pas, de la manière suivante. Mishkan, c'est quoi mishkan? Ce sont les yeriot chez Mozdar. Comme on dit, ouet, ta mishkan ta ase, aeser yeriot. C'est pas ce qu'on a rapporté tout à l'heure. D'accord? Mm-hmm. Donc, tu sais que le Mishkan, c'est le lin. Et c'est marqué au Mishkan. Et Mishkan, on l'appelle Oel. Pourquoi? C'est marqué Et Mishkan Oel Moed. Le Mishkan, c'est lui Oel Moed. Comme Rachid a rapporté aussi ce passage-là. Pourquoi la Gemara t'a pas rapporté? C'est plus simple, là, c'est clair. Là. Il n'y a pas de confusion. Pshat, pas pshat. Diyur, pas diyur. C'est clair. Réponse. Veshema. Ahay, krasami. Là, du Bémet, peut-être la Gemara, c'est sur ce passage-là qu'elle s'appuie. Bon. Pourquoi elle n'a pas rapporté clairement celui-là? Mmh. Bon. Allez, on continue la Sougia. Ou pas? Baer Abil Azar. Or, Bémet, Temea, Maouch, et Tame, Tomato, Alim. Abil Azar demande. Or, Bémet, Temea, est-ce qu'elle devient Tame, Tomato, Alim? Demande à Gmara Maïka Mebaïle, quel est le fond de sa question? La question qu'il avait, c'est le Tahash de l'époque de Moshe. Ouais. Est-ce que c'était une Bema Temea? Auquel cas, c'est à Oel Tame, et donc, il est une Mekabel Touma? Ou bien c'est une Bema Teora, et donc, on n'a pas de source au sujet de Oel Tame. Donc sa question, en fin de compte, c'est est-ce que le Tahash est tamé ou Tahor? Comme ça, la Gemara l'explique, exactement. Alors, pose la question comme ça, qu'est-ce que tu m'as fait Une proposition, je ne sais pas. Oui. Amar Rabbi Yosef, Maïti Baile, Tanina. C'est quoi cette question? Il n'y a pas de question. On a une baïta. Lo urcharu lemlech et shamaim el orbe matora bilvan. Ne kasher, nous étions kasher pour le travail du ciel, pour les miswot, les avodot de Hashem nous demande. Que orbe matora bilvan. Donc, autrement dit, le tahash, il est forcément orbe matora. Et donc, il n'y a pas de question.
Or be matmea ne patame. Ah, oh, elle avec or be matmea ne patame. Quoi? Ah bon? Ah oui? Finalement, on a dit que le tar hacheta or. Ça y est? Non. Mechiv Rabbi Abba. Objection. Rabbi Yehuda omer shtei michsaot hayu. Echad shel orot elim meodamim ve'echad shel orot hashim. Rabbi Nehemia omer michsa echad haya. Une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. Est-ce qu'il y avait orot elim meodamim? Il y avait selon Rabbi Yehuda, il y avait une couche de orot elim meodamim, des peaux de bélier colorées en rouge, ve'echad shel orot hashim, et une couche de or tahash. Rabbi Nehemia omer michsa echad haya, pas du tout. Orot elim meodamim or tahash, moitié moitié. Ouais, c'était un seul mirsé, une seule couverture, les deux faisaient. Virgule. Vedome le tahash, comme ça il faut lire. Le tahash y ressemblait kemin tala ilan, comme l'animal qui est tala ilan. C'est quoi tala ilan? Rashi nous dit c'est Hayat Emea. Le Arouch nous dit il ressemble au chat. C'est un chat hein, qui a des couleurs. Plusieurs couleurs. D'accord? Ve'at ala ilan tameo. C'est quoi la question d'Agmara? La question d'Agmara n'est pas évidente ici. Le marché est en train de dire puisque l'Agmara, le Tana, a comparé le Tahash à un Talaïlan. Talaïlan qui est tamé. Ouais, vraisemblablement il est tamé. Bon. Voilà. Alors, j'ai vu Hazam Sofer, il veut dire que si vraiment il était Tahor, on n'aurait pas pris une comparaison Tehora, tamé. Comme on a vu d'Agmara dans Psahim, ouais, que Rav, il a été marqué sur quelqu'un qui a fait une comparaison avec un animal tamé. D'accord. S'il est tamé, tu fais une comparaison avec un animal tamé, acceptable. Mais si les tahors, tu fais une comparaison avec un animal tamé, non. Donc, Mistam Allah. Ouais. Il est tamé. Bon. Bon, alors, mais selon ça, la réponse, elle va être contre ce principe-là. C'est quoi la réponse? Réponds la Gemara. Achika, Markimin tala ilanu, shiesh bo guanimapé. Velo tala ilan de ilu atam, tamé va chataor. On va devoir dire parce qu'on n'avait pas le choix. Pourquoi on a choisi du tala ilan? Parce qu'il a des couleurs comme lui. C'est le seul animal qui a des couleurs comme lui. Mais le Olam, il a une différence avec lui. C'est lui, Talaïlan, il est tamé. Et le Tahash, il est Tahor. Moi, j'avais compris un peu la question de manière différente. J'avais dit de la même manière que si tu dis chimpanzé, ouistiti, singe, ouais, ça se ressemble. Si ça lui ressemble, c'est que vraisemblablement, c'est le même mine. Ouais, c'est comme ça qu'il pensait le marché. Et il a répondu non. Je n'ai pris cette ressemblance-là que parce qu'il avait des couleurs comme lui. Il y avait plusieurs couleurs différentes. D'accord ? Bon. Amar Slecha. Le Tahash et Taor. L'Olam, le Tahash et Taor. Voilà comment Rav Yosef se défend. Voilà. Mais. Selon le marché que le tâche est tamé, qu'est-ce qu'il fait avec le fait qu'on fait Bamakdash et l'Advarim Bethéorim Batora? Comment on aurait pu faire tâche? Je ne sais pas, mais ce n'est pas mon problème, moi, ça. Ça, c'est un deuxième problème. Moi, j'ai une braïta que je comprends de cette manière-là. Explique-la-moi. Oui, donc c'est... De cette manière, on verra hein, que la Vieux-Sef va être repoussée par la suite. C'est-à-dire... Donc, l'argumentation, ça n'a aucun rapport avec la question de Rabbi Lazar. De Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, on comprend. Rabbi Lazar, tu as raison. Rabbi Lazar, il a posé une question. Est-ce qu'il y a Tum'a dans un OL qui est fait avec Orbe Matemia? Voilà. La Gemara a expliqué la question, est-ce que Tahash est Taor Tamé? Rabbi Yosef lui a dit, c'est sûr que le Tahash est Taor. La Gemara a dit, mais voilà, on l'a comparé à Taleilad. Voilà. Donc, vraisemblablement, il est tamé. Ah. On a comparé Talaïlan que par ses couleurs, mais l'âme, il est tamé. Voilà la structure okay, de la couleur. Ok, on continue. Amar Rav Yosef, Yahi, c'est pas une question comme d'habitude ici, comme dit Rashi.
يا أخي هينو دم ترجمين ساسغونا شاسغونا شساس بقواني مرمي جي ربي سيف مانو جي كمخون بوكوا لتاحش ومتلوس يلو تخدوي بار ساسغونا بوكوا ساسغونا C'est Sas, peut-être, il faut dire d'ailleurs Sasguana, peut-être. Sas, c'est sa mère, Sas, réjouir. Begvani Marbe, il se réjouit parce qu'il a beaucoup de couleurs. Il a une beauté qui est exprimée par une multitude de couleurs. Point. Ça, okay, c'est l'opinion c'est pas de la Oui, oui. Enfin, donc, pas Koussia, dit... je dis, regarde la Chine. Et oui, oui, oui. Ratei. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, ah, alors maintenant j'ai compris. Exact. Rava Amar, or bemate mea, de mitma beo elamet mecha. Vigino, or bemate mea, se mekabel tumato el. Et d'où je l'apprends? À partir de Negaïm. Comment la Gemara va faire là? Elle va essayer d'apprendre de Negaïm. Elle va repousser. Elle va essayer d'apprendre de Shlassim. Elle va repousser. Elle va faire Bamemassino. Ouais. Alors va comme ça, elle va faire. Et puis la suite de la Gemara, même ça, on va le repousser. Et après, on verra comment on va apprendre. Alors, on y va. Détania. Or. C'est marqué dans la Torah, or. Au sujet de Tum'at Negaim. Comment c'est écrit dans la Torah? C'est marqué de la manière suivante. Ou bishti, ou be'erev. Ou bechol kileor. Ou bechol, très bien. Ou bishti, ou be'erev, la bishti, la samer, ou be'or, ou bechol melechet or. Ou be'or, ou bechol melechet or. D'accord? Ça, c'est le pasuk. Maintenant, la Gemara, le Tanaï, le Doresh, or, ou be'or. Moi, on dirait qu'elle est Doresh, le mot be'or, le bête de be'or. D'accord? Et elle apprend deux limoudim. Ça, c'est le pshat qu'on a sous les yeux. Un, premier limoud, or bema teme'a. Même la peau d'une bema teme'a, c'est mekabel tum'at negaim. Ve shelaka biyad kohen. C'est quoi shelaka biyad kohen? Il y a une tache. Il y a une tache qui est dans un vêtement, par exemple, qui n'a pas le. C'est pas encore tamet tum'at negaim. D'accord? Et il arrive devant le Kohen et ça grandit devant le Kohen. Oh, le Kohen dit c'est tamé. Est-ce qu'il est tamé ou pas? Oui, il est tamé. Vous allez me dire, mais c'est quoi le hidouche? Il y a la mesure de gris, c'est ce que vous voulez, il y a les poils. C'est quoi le hidouche ici? Mm-hmm. Alors, Tosfot disent, Tosfot, que chez la Kabbiat Kohen, au nom de la Benou Shmuel, ils disent que comme c'est marqué dans la Torah, et après c'est marqué, et aura la Kohen. Ça veut dire que depuis le départ, il y avait le néga. Seulement après, il a été amené chez le Kohen. Et le Kohen a rendu tamé. Mais si au départ, quand moi j'allais l'amener chez le Kohen, il n'avait pas encore le néga. C'est uniquement quand je suis arrivé devant le Kohen qu'il y a le néga. J'aurais pu croire que non. Ah, machmala, ne ribouillez là. Ah. Il pose la question de quel droit j'apprends deux choses avec le mot bête. Alors, Ritma, il dit parce que les deux choses, c'est des petits limoudim très légers. D'accord. C'est mistaber de les rentamer même devant le Kohen. C'est mistaber que même Or Behemat et Mea, il n'y a pas de hilouk avec Or Behemat et Hora. C'est mistaber. Mm-hmm. Voilà pourquoi, avec un petit ribouille, j'inclus les deux. Comme ça, le Ritba veut répondre. Très bien. Seulement, tout ça, tu poses la question, qui t'a dit que le Pasuk Behemat, il parle de Or Behemat et Hora pour que tu dises que j'ai besoin du bête pour inclure Or Behemat et Mea? Qui a dit? Le Pasuk, il a dit Or. Peut-être que le Pasuk parle de Or Behemat et Mea. Pourquoi j'ai besoin d'un ribouille? Ça, c'est la couchée de Tosfot Riba. D'accord? Tosfot répond, regardez Tosfot, Riba Or Behemat et Mea. Tosfot, il répond. Vous voyez, Tosfot? Pierre Rabbeinu Shmuel, de la chi, c'est-à-dire les rabouilles Or Behemat et Mea, qui décatané Betorat Kohanim. Comme on voit dans Torat Kohanim, Semer, Enye, Lamin, Bema, Daka, Semer, d'où vient le Semer? La laine, ça vient d'où? Keves. Keves. Keves, c'est quoi? Bema, Teora. Donc, comme c'est marqué après Semer ou Fishtim, c'est marqué quoi après?
بيشتي بارد لا بيشتي بلا سمر quand c'est marqué or je dis de la même manière que semer vient de tahor mais mar vient de tahor d'accord en yela min bemadaka venecha pirush dum yad semer shudam kasher kvasim minayin lerabot or bemadaka ve'en nechelet bema gasa nechelet ve'en nechelet. Donc le Tatoat Kohani me dit, d'où je sais que même Bema Daka Ketmer ou Ben Bema Gassa, qui soit ou des chèles, ou pas des cachets, ou pas cachets. Alors c'était Mera Be'orot Shelestim, mais même Orot Shelestim qui rentamait. C'est le mot de l'Omar, Be'or, Be'or. On a pensé à de Be'or. Donc soit font une petite remarque, venir à Dea de Nakat Bema Gassa, ne chèles, agava harine na. De ila d'ayakra. Tosfot dit, je ne comprends pas pourquoi Torah Kohanim il a eu besoin d'inclure Bema Gassa, une vache par exemple, Nechel qui est cachère. Arrête de notre Gemara à nous, Tahash. Le or, il est mitamé. Si tu lui veux. On n'a pas dit Bema Daka, Bema Gassa. On sait que c'est un or, c'est tamé quel qu'il soit. Donc je n'ai pas besoin de la barre purée. D'ailleurs, il n'a pas de magasin, il n'a pas de magasin, il n'a pas de magasin. D'ailleurs, il n'a pas de magasin, il n'a pas de magasin. Même le vache, on apprend de Elim. Bien que le Elim, c'est Bema Daka et pas Bema Gassa. Ok. On continue là. Maintenant, c'était des parenthèses, tout ça. Enfin, c'est ce soit-il, qu'on comprenne bien de quoi on parle. Maintenant, je reprends le limout de Rava. La Braïta, elle dit quoi? C'est marqué que Or Behemat Temeha, c'est Mekabel Tumat Negarim. Kassas Mikulan Vasa Achat Mehen. Si maintenant il a coupé de tous les morceaux là, Kassas Mikulan, il a coupé tous les mots, tous les éléments qu'on a cités dans le pasuk. D'accord? Pishtim, Semer, Or. Begen, non? Il a fait. Beg, est-ce que tu veux? Ouais. Il a fait des vêtements de ci, des vêtements de ça, de la peau. Mélangé. Des vêtements mélangés. Ouais, Kassas Mikulan. Vasa Khatmen, Minandou, je sais que même ça, s'il y a une plaie, une lèpre là-bas, c'est tamé. Talmud Lomar, Obechol Melech et Or. Fin du pasuk, Obechol Melech et Or. Point. Donc, qu'est-ce qu'il veut, Rava? De la même manière que dans Tumat Negaim, même Or Behemat Emea Semekabel Nega, même au sujet de Oel Amet, si le Oel, pas forcément le Oel, Or Tahor, il est Mekabel Tum'a, mais même Or Behemat Emea Semekabel Tum'a. Donc il a appris pour Tum'at Oel, il a appris à partir de Negarim. De la même manière que Negarim ne fait pas de différence entre Bema Teora et Bema Temea, même dans O et la Met, on ne fait pas de différence. Les deux sont Mekablim Tum'a. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la fin. Katsas Menam. Katsas, on n'a pas, besoin pour la Shakla Vetaria. Oui. D'accord. Katsas Mikulan, il a coupé de tous les morceaux qui sont cités dans la Mishnah, il a fait un vêtement. Ça oui. Aussi, s'il y a une tâche là-bas, dans ce vêtement-là, c'est Mekabel Tumat Negaim. Ça n'a rien à voir avec notre sujet. Ok, ok. On a fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut Rava? Qu'est-ce qu'il veut Rava? Il veut quoi Rava? Il dit que même Bemet Meam est à mes paroles. Voilà. Même Bema, il veut arriver à ça. Oui. Il veut arriver à ça. Comment il arrive à mais ça comment... De la même oui. manière que dans Negarim, il n'y a pas de oui. différence. Bema Teora ou Bema Temea, s'il y a une tache de lèpre là-bas, c'est tamé. Oui. La même chose au niveau de Oel. Tumat Oel. Peu importe si Tumat Oel, c'est Bema Teora ou Bema Temea, c'est tamé. Demande oui. à Mara, Ikal et Mifrach. Malin Gaim, Sheken, Shechewa, Eref, Tamé, Ben. Mais tu ne peux pas apprendre. Peut-être Negarim, c'est Hamour, un fil de lin, un fil. Sheti ou Arev, Shen ou Tram, c'est Mekabel Touma. Et ça, il n'y a pas dans Tumat Oel. Tu vas me dire d'où je sais qu'il n'y a pas dans Tumat Oel.
Ce soit du 10. On verra ça dans ma serre, dans Perek. Perek Bameisha. Là-bas, on verra que Toumatoel, il n'y a pas Toumatoel dans des films. D'accord, Shtivael. Ok. Comment c'est-à-dire quoi, Shtivael, dans le Ohel? Ça veut dire qu'il y a plein de fils comme ça. Regarde, là, tu vois là? Plein de fils qui sont comme ça. Un côté de l'autre. Un côté de l'autre. Et il y a quelque chose en dessous. Ah. Une Touma en dessous. Même si ce n'est pas. On ne va pas faire comme la Souka. Ce n'est pas Hamato Yuter Mitzela, quoi. Voilà, si tu veux. Même si tu ne dis pas ça. Peu importe. Oui, oui, oui. Ok. Veik, allez, mes frères. Malin Kaim, Sheken, Shitivael, Eftameven. Ok. On change de limoud. Et là, Gamar Mishrasim. Viens, on apprend de Shrasim. Détania. Or, en lié la orbe matéora. Là aussi, on va poser la même question. Qui a dit que or veut dire orbe matéora? Soit tu la reposes. Soit tu vas la poser, celle-là. Vim tomar menalan daïri krab orbe matéora. Veyesh lomar kemo ben gaïm. On va répondre comme dans les gaïm. Deachak tiv sak. Ici, dans le pasouk d'Istosfot, au sujet de tout match racim, c'est marqué Sar. Et Sar, ça vient d'où? De Rizim. Rizim Bimatura. Rizim Bimatura. Quand c'est marqué Or au Sar, donc Or aussi, ça devient de Bimatura. Ce soit s'il est marché, mais il dit, mais Sar, on a été mérabé, même un Sar qui est fait à base de poils de Hazir. Donc c'est faux ce que j'ai dit. Réponds au sort, ça c'est à partir d'un limoud, mais ce n'est pas le pshat de Sar. Vous voyez? Regardez dans les mots. Va mina ma sakmin be madaka venecha al kidmucha be torat kohanim ul kamad desa kave davar abba mina izim afor min be madaka venecha. Toi, afal gav de be torat kohanim al be afsaka ba mi hazir shu davar tamé kushia afilo achi va mina de lokcha or ela le mashmaout desa d'ailleurs shel izim. C'est clair? Très bien. Maintenant, je reprends le mot de Shlassim. Dit la Gemara. Netanya, or, enli, ela, or, bemat, teora. Que c'est me kabel tuma Shlassim. Or, bemat, me aminaïn, talmud lomar, or. De or, j'apprends ça. Bon, il faut chercher c'est quoi le limous, c'est le haut qui est en trop, quand il est. Ok. Dila Gmara, Vema. Oui, Kalimifra. Mais Kalimifra. Ma, les Shrasim, Shekel Metamim Bekadacha. Mais Shrasim, la Touma, elle la diffuse, elle la donne, elle la transmet à partir d'un Shur de Kadacha. Alors que Toumat Met, la Touma est diffusée qu'à partir d'un grand Shur de Kazaït. Alors peut-être que. Ne deviens pas tamé. Et pour la Gemara, Negaim Yochichu. Amène une preuve à partir de Negaim. Le Hazar a dit, mais Negaim aussi, on a objecté. Qu'est-ce qu'on a objecté dans Negaim? Ma de Negaim, c'est Bistivaer. Mais Shrasim, il n'y a pas Shitivaer. Il y a Kadasha. Oui, mais Negaim, il n'y a pas Shitivaer. Alors, c'est ça le Hazar a dit que tu as dit hier, Amos. Voilà, voilà. וחזר הג'ין לא ראה זה כראה זה ולא ראה זה כראה זה הסד השווה שבהן שעור תמי בהן ועשה אור במה תמיה שעור תמי בהן לא אור אילי תמי ועשה אור במה תמיה כאור במה תאורה אור במה תאורה או במה תמיה אף אני מוסי שווה אנקליר כאור אור זה תמי. Et je ne ferai pas de différence entre Bema Teora ou Bema Temea. Chor Tamebo, Bena Sabo Chor Bema Teora, Bena Sabo Or Bema Temea, Chor Bema Teora. Afani. C'est bon? Oui, c'est fini. Non, non, Afani a vu Oel. Amet Chor Tame. Lis-le, c'est bon, j'ai déjà lu. Ok. Afani a vu Oel Amet, Chor Tamebo. Voilà. Rava, il a fini son limoud. On peut apprendre que c'est tamé à partir de Eshrasim
Anytime. Dernier tosod jamoud. Malish rasim. بليك اللي فراخ شيتمام مت بك عاد الشامي قلب خمر شيتمام وين سبجك وا تدير ام تي عاد الشا دو مت توا تجي شرسيم سي عاد الشا وين بتكجا كمان توما توال سي عاد الشا انت بلو انت بلو بلو بجي عاد شرسيم سي بلوس حمور Ouais. Non, pourquoi? Les shiurim, ils sont à la Khalim Moshe Mishinaï. Pas le shiurim, même à la Khalim Moshe Mishinaï. Et le shiur du tomato, elle, c'est Dawka. Mais... Dawka. Kazaï. Mm-hmm. Ok. Demande, continue ton soir. Bekacheleri. Venilaf ma mishrasibet mishrasim. Pourquoi on n'apprendrait pas? Mettre de chassim sans kalva khom, laisse tomber. Ou Comment? N'apprends pas de bame massino. Ouais? Apprends-le de gzera shawa. Apprends mettre de chassim à partir de gzera shawa. Laquelle? Des Beg et Veor. Dans les deux sujets, il y a marqué Beg et Veor. Dans Chassim et dans Toumatmet. Ouais. Kedé Amrin et Nekaman. Bepel Bameisha. Et donc, de la même manière que Chassim, il y a même Behemat et Mea. La même chose dans. C'est tout. Simple. La même chose dans Elamet. Voilà la Kouchia de Tosfoderi. Rire dans deux Chilosim. Ça donne deux tirs aussi. Premier tir aussi. Vomeri, Mishum de Gzera Shava, de Oelol, Mimishkan, Satrala, le Kach, Istarich Libui. Ok, c'est vrai ce que tu dis. Mais de l'autre côté, j'ai une Gzera Shava qui me dit Oelol, Dafka Oel Taor. Ah. Ah. Ah oui, c'est ça. C'est alors, ça qu'est-ce que je fais? Alors, c'est pour ça que j'ai besoin. D'un makhriya. J'ai besoin d'Iftirich Riboui. J'ai besoin d'un Riboui. On dirait que c'est ça la Kavana. Mais alors maintenant, ce Riboui-là, voilà, il est en train de contredire le Tefron Setao, comme on a vu là-haut. Selon Tosfot, hein. Ça te sort un peu difficile, on peut te mettre pas le pelle. Bon. Ouais. C'est parce que j'ai un contraint comme si. J'ai un contraint, il me faut un. Mais c'est vrai qu'au début, Dagmar n'a jamais. Pourquoi le Kalvachoma, quelque part, il est plus fort que la Xela Shava que j'avais. Ici, le Kalvachoma, j'ai dit Kalvachoma, je me suis trompé, c'est pas Kalvachoma. Le Bamé Massi. Quand Dagmar a voulu au départ apprendre à partir de Negaïm, elle avait un Bamé Massi, c'est tout. Pourquoi on ne dit pas ce que Ri dit maintenant? Ah voilà, ça contredit le l'Axela Shava, l'autre Xela Shava. L'OL, OL. Donc il faut être moyenne, tu as raison. L'Axela Shava, là-bas, elle ne parle pas. De Oel Ahmed qui est attaché au sol. Elle parle d'Oel Ahmed en général, quelque chose qui n'est pas attaché au sol. En achenami. Or, Bema Temea, ça va être Mekabel Touma, si maintenant c'est sous, si c'est Ma'ahil, si c'est au-dessus d'un morceau de viande d'amor qui fait Kazaï. Et si là-bas on parle de quoi? On parle pas de Oel qui est Mechoba la Karka. On parle de quelque chose qui est au-dessus de Kazaï Chelamet. Et n'a rien à me dire. Oh, ben maintenant, c'est me rappelle tout le monde. Et n'a rien à me dire. Moi j'ai un problème par rapport à l'Orosia de Vilikal et mes frères. Pourquoi on n'apprend pas directement Mema Matsin ou Bisratsim? Là-bas, il dit Beged, là-bas, Or, Majam, Bisratsim, Metame. Mais l'Isratsim, que je dis,
même Bématimia, là, je l'ai appris d'où, moi. Je l'ai appris de haut or. Mais il faut aider, que moi, je suis les mal, allô. Donc, c'est ça, j'ai besoin de ça, moi. Pour savoir que les Sratsim, moi, je l'ai appris déjà, mais haut or. Tu as compris ce que je veux dire? Non, j'ai pas compris. Ouais. On recommence. Là, les Shratzim... Tu reviens sur quoi? Tu reviens sur quel passage? Tosfot, Gbara? Sur quoi tu reviens? Tosfot, vous les calmez mes frères. Tosfot, il a dit... Le début de Tosfot. Oui, le début de Tosfot. Il a dit, pourquoi on n'apprend pas directement que le Ohel metame be orot temeim, mais Shratzim be babmatzino, là-bas, il y a beged be or, mais là-bas, ma Shratzim be matimea metamet baim, c'est ça, non? Je ne sais pas, si tu reviens sur le début de Tosfot, ce n'est pas ça qu'il dit dans le Tosfot. Ah, qu'est-ce qu'il dit alors, Sliha? Les Kalemifras. Oui. Tosfot, ils disent comme ça, ils disent, tu es en train de faire une pirchama, les Shrasim, qu'il a la Khumra de Karadasha. Voilà. Ne t'apprends pas tout Matmet. Dis Tosfot, très bien, tu n'as qu'à dire quand même tout Matmet, il a tout Matmet de Karadasha à partir de Shrasim. Ah, ok. Quand ils ont répondu, comment ils ont répondu Tosfot? Les Shiorim. Ok. Amar le Rava. Allez, on continue. Amar le Rava, biparnish le Ravashi. Je suis pas d'accord avec le limud de Rava qu'on a dit en haut. Pourquoi? Il calme mes frères. Il y a encore une objection à faire. Mal à Sadashe Shebaen. Que ce soit l'Israsim Mungaim. Voilà, les deux, leur Touma, un c'est gris, l'autre c'est Karadasha. Les deux c'est plus petit que Kazait, Machem Ken, Touma Oel. Il y a une Khumra qu'il faut qu'il y ait un chiour de Kazait. Kazait. Donc, ils sont hamour, c'est pourquoi je peux te dire que la peau téméa, la peau du béma téméa, les mekabel et tout ma, machin ken, tout ma toen. Est-ce qu'on peut répondre si Aurim, mais la khalmouchi missiné, on ne peut pas faire la kalva omr avec ça, toi, tu peux répondre, toi, ça. Si c'est la Gemara qui le dit, peut-être je vais l'accepter. Encore, je ne comprends pas bien, mais je peux l'accepter. Mais toi, tu peux te permettre? Non, moi, non. Bon, mais Tosfot il l'a fait. Tosfot il a dit le chiour de Kazaï. Tu peux pas me dire que c'est un chiour de Kardasha. Le chiour de Kazaï il a été fixé par l'Alakha de Moshe Mishinaï. Ah, ah. Alors dit Mala Tadash Sheben Sheken Tme Imbe Pachot Mikazaï. Tomal Bemet Sheno Metamed Elabe Kazaï. Alors comment on fait? Il a marre. Elle a marre Rava Mibarnish. Atia Bekalwa Homer Minosa Shen Aizim. Aïwa. On apprend à partir de Nosa Shen Aizim. Quoi? Shen Metame Nosa Shen Aizim. Nosa Shen Hazir. Non, doucement. Nosa Shen Aizim. Regarde le limou d'abord. Shen Metame Ben Gaim. Metame Beo Elamet. Or Bematimea Shen Metama Ben Gaim. Remarquez ici, on n'a pas fait un limoud entre Oelamet et Negaim. On a dit ça, on ne peut pas faire. La souviens d'avant, on ne peut pas faire ça. Voilà. Le limoud que je fais, c'est entre Nosa Shel Rizim et Or Bema. D'accord? Or Bema Temea. C'est ça ce que je suis en train de faire là. Ok. Alors, on essaie de comprendre le Khalwaham. On reprend le Kal Vachomer. Non, ça, c'est l'Aizim. Elle met à mes ben Gaïm. Il n'y a pas de Tumat Negaïm. Pourquoi? La Torah l'a dit uniquement Semer ou Pishtim. Semer, ça vient du mouton, pas du rez. Et Pishtim, c'est du lin. Ouais, j'ai fermé. Semer ou Pishtim. Donc, Nosa Shel Aizim, les poils de chèvre, il n'y a pas de Tumat Negaim. Et pourtant, dans Oel Amet, oui,
D'où je sais? D'où je sais que nos Ashkenazim yat umat oel amet? D'où je sais? Ouais. Rashi, il dit, im asa, regardez Rashi, im asa oel, de ami mishkan gamrin Allah. Veikar oel, dit-il, be mishkan biratizim ktiv. Rashi dit, tu sais, le ikar oel, comme tout ça, ils ont dit le premier tout ça du hamoud précédent. Ouais. Veikar oel, c'est be mishkan, c'est yiriat izim. Oui. Yiriat izim. Ok. Izim. Donc, tu vois bien de là que ça s'appelle Oel. Et donc, il y a lui une Touma dans Aizim, dans une peau de Aizim. Un Oel qui fait peau de Aizim, ça devient huit Tamé. D'accord ? Alors, derrière Gaf, Rashi rapporte une autre Gursa. Ils ont cherché dans cette Gursa-là, d'où je sais que nos sages, l'Aizim, il y a Oel Amet. Regardez Rashi. Adjectif Bisfarim, Kol Ma'asé Aizim. Ils ont appris du pasouk Kol Ma'asé Aizim. En tout cas, Rashi dit, je ne suis pas d'accord avec cette Gursa-là. Logar Sinale. Pourquoi ? Là-bas, on ne parle pas du tout d'or, on parle des kelim, des ustensiles. Ok. Donc, Rachid a repoussé cette gursa-là et il a expliqué la gemara qu'on vient d'expliquer. Maintenant, je reprends le kal vachomer. Si déjà nos sages l'aizim qui n'a pas tumat negaim, il a tumat oel. Parce qu'on a des bessem l'opistim. Là, c'est pour... Il n'y a pas de gaïm. Il a voilà. Quand même tomate oel, parce que Ikar oel, c'est dans Izim, dans le Mishkan. Voilà. Orbe ma temea, shimtama ben gaïm. Comme on a appris avant. Orbe ma temea, il y a tomate negaïm dessus. Enodin, shimtama ben oel amet. N'est-il pas normal de dire qu'il y a tomate dans oel amet? Comme on a pris là-haut déjà. Maintenant, encore une fois. Il a dit que Bématiméa. Or Bématiméa. Or Bématiméa, voilà. Or Bématiméa. À partir du mot Béor, on l'a pris. Voilà ce qu'on avait là-haut. Voilà. Exact, exact. Mm. Ouais. Fin de la Sougia. Ça veut dire, finalement, on a effectivement trouvé que même un OL constitué d'un or Téméa, à part la diffusion de, c'est pas, on parle pas ici de diffusion, la, le OL lui-même, la peau elle-même, elle devient Téméa. Et pour la purifier, il faudra donc passer par la vache rousse. Voilà la conclusion de la Gemara. Et pas comme Rav Yosef nous a dit. Rav Yosef lui a dit, Tachash et Tahor, Nigmar, il n'y a pas de question de Rabbi Elazar. D'accord, finalement, on a répondu à la question d'Albi Lazar et de manière contraire à ce que Rav Yosef a répondu. Alors, le Tarsh, on ne le connaît pas, alors. Très bien, la Gemara va parler ça par la suite. Garde ta remarque, on va parler ça par la suite. Alors, avant de continuer la nouvelle Sugia, venez, on fait un peu Tosfot. Oh là là, il y a un Tosfot, Atia, vous voyez Tosfot, Atia. Ouais. Atia. Atia, Mishpahat Atia, ouais. Ouais. Atia, Bekal Vachomer, vous voyez? Ouais. Il y a Tosfot. Après, il y a Tosfot Yishanim, il écrit en tout petit. Et après, Tosfot, il continue, vous voyez? Ekshe Asar Mikosi. Vous voyez? Vous voyez, Tosfot, il est spécial celui-là. Ce n'est pas les Tosfot que j'aime beaucoup, quoi. Oui, mais c'est des Tosfot. Tu peux rester une journée dedans, tellement tu peux réfléchir dessus, ouais. Oui, mais... Donc juste, comme on dit, Bixia Mazleg. On va juste voir un petit peu c'est quoi le kivoum de Tosfot, d'accord? Qu'est-ce qu'ils d'accord, veulent, d'accord. C'est quoi la question, c'est quoi la réponse, okay. D'accord? Après, on peut discuter, okay. Nachen Ami. Alors, et on peut... mais je vais sauter Tosfot Yishanim. Hein. D'accord. Tosfot Yishanim, je vais sauter. Tosfot Yishanim, il va rapporter deux pirushim. Un de riz et un de rame qui va discuter. J'ai dit mais... que tu vas le sauter. Ah oui, non, juste, je vous dis comment il est fait. Donc, il y aura une question. Tosfot va poser une question. Tosfot va répondre à la question. Et dans Tosfot Yishanim, ils vont proposer deux autres tirushim. Mm-hmm. D'accord. Mais on va rentrer trop dans des détails. On va voir, le temps, il va passer rapidement. C'est pour ça que tu l'as dit en raccourci, c'est ça? Ah. Que tu l'as dit en raccourci, là. Voilà. Atia bekal wachomer minosa shel izim. Vim tomar. Vim tomar. Nema shetim ha'erev yochiyah.
Attendez, avant de continuer Tosfot, de commencer Tosfot, pardon, je recommence le Qalb al-Khamer. C'est quoi le Qalb al-Khamer? Tu as Nosa Shel Izim d'un côté, tu as Nosa Shel Izim, et tu as Orbe Matemea. Nosa Shel Izim, dans Negaim, c'est faible. C'est Taor, ouais. Dans Negaim. Et dans Oelamet, c'est fort. C'est Amé. Alors, potéméa, une potéméa, ouais, que c'est fort dans Negaim, Kol Sheken, que ça sera fort, quand je dis fort, ça veut dire c'est Amé. Kol Sheken, que ça sera fort dans Ohel. Dans Ohel. Ça veut dire que si je vois quelque chose que c'est fort dans Negaim, je dirais automatiquement, selon mon Qalb al-Khamer, que c'est fort dans Ohel Amet. C'est ça ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? On se dit, j'ai une question. Regarde. Vim Tomar, Nema Shtiva Erev Yochiyah. Shtiva Erev, il va te prouver le contraire. Shem Tame Ben Garim, Yavi Tumat Negarim, et pourtant, il n'y a pas de Tumat Oel. Kouchia. Afani, Avior. Et donc, du coup, je peux aussi te dire Afani, Avior, Behemat, Temea, etc. Ok. Que c'est Amé Ben Garim et pas dans Ohel Amet. Voilà, je t'ai cassé. Voilà. Vas-y, voilà, la Gemara, je t'ai posé une question contre ce que tu dis. Ça, c'est question numéro 1. Question numéro 2. Verot caché. Amay istarir kra bishrasim le'or be'emat emea. Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk dans Shrasim pour or be'emat emea? Vous voyez, dans Shrasim, hier, tout à l'heure, on a vu que le mot « oror », il est venu inclure qu'une peau « téméa » elle est « mekabel tumashrasim ». N'est-ce pas? Pourquoi j'ai besoin de ce « limoud-là » L'été « bekalwachomel minosa shirazim » T'as qu'à faire un « kalwachomel » comme la Gemara le fait maintenant. Comment? À partir de « nosa shirazim » que « elle mitma ben garim » et pourtant « mitma bishrasim » Nosa Shel Izim, parce qu'il y a marqué sac. Sac dans Shrasim, il y a marqué sac. Or, sac, c'est fait à partir de Nosa Shel Izim. Ouais. Oui. Alors, t'as qu'à dire Nosa Shel Izim, que c'est faible dans Negarim et c'est fort dans Shrasim. Non, alors, mais... Or, ben, Matemea, que c'est fort dans Negarim, quand je sais que c'est fort dans Shrasim. Donc, j'ai pas besoin de ton haut. J'ai pas besoin de ton haut. Ouais. J'ai ma bouteille de vitel. Oui. Comment le kalbaham il va marcher? Pas besoin de ton nom. Omar. Oh, si tu suis ou pas? Je sais, je sais. Quoi? Dis-moi, ça dépend de Talat Berabi Shmuel qu'on avait vu avant, non? Pas du tout. Si? Vas-y. Qu'est-ce qu'on est Métamé Bishratim? On est Meravé tout. Notre sache chez l'Isim, c'est Métamé Bishratim. Là-bas, on parlait des Bgadim, qu'est-ce que tu racontes? Et de là-bas de Obega. On a parlé de dehors. Ici, on est en train de parler de dehors. Quel rapport? Non, on parle de notre. Toi, soit tu veux faire que quoi? Que notre sache chez l'Isim? Ouais. Notre sache chez l'Isim, dans Shrasim, c'est écrit clair. C'est marqué dans sac. Sac. C'est fait de Nosa Shel Izim. Ça, c'est dans Tumat Shrasim. D'accord? C'est Nosa Shel Izim, sac? Ken. Ah ouais? Nosa Shel Izim. Ken. Sac, c'est Nosa Shel Izim. Ken. Moi, je t'ai dit ça. Tu veux que je te montre? Ouais. Bon, si je te montre demain, tu me payes deux cafés. Hein? Ce soir. Regarde Afkavzain, Amoud Rishon. En bas de la page, Tosfot, Venosa Shel Izim. Ok. Des sacs avec mis la serre chez les îles. Oh, c'est pas de notre sac chez les îles. Là. Tu vas dans mon sens, là.
Ah, c'est tout ça, la mishpacha. Quoi, c'est la mishpacha? C'est le début de nos sacharizim. Actif sac, béadja, bekra, vesak, ave, bidavara, ba, minaizim. Non, il dit sear, chérizim. Sear, chérizim, c'est pas pareil. Où tu vas, sear? Sac. Après, tout ça, tu parles de sear. Tiretzri. Ça, c'est la réponse du riz. Ça, c'est, on va rentrer dans la réponse du riz. Il est mahaler, sear, pas sear. En fait, tout ça, ça rentre. Tout ça, ça rentre dans tout match chassim, tout match chassim. Tout ça, ça rentre. Non, mais est-ce que ça s'appelle notsa chelizim? Hein? Est-ce que ça s'appelle notsa chelizim? Ben. De toutes les manières, Tanat Verbishma, il l'a inclus. De toutes les manières, qu'est-ce que tu veux? Ben, ah voilà, donc il faut dire. Non, il faut dire qu'on va d'après Tanat Verbishma de Obeged, qu'on inclut tout. D'accord. Bon, Rabbi, tu peux m'expliquer le Kal Vachomer? Moi, je suis un peu terre à terre. Terre à terre. Explique-moi le Kal Vachomer que tu voulais. Rashi, Tosfot, il a deux questions. Voilà, les hautes cachées. Les hautes cachées. Alors, Tosfot dit, la Gemara, t'es très maligne, mais selon toi, j'ai une kushia. C'est quoi la kushia? Tu sais, tout à l'heure, on a vu un limoud à partir du haut qui écrit dans Chassim. Voilà. Et voilà, j'ai appris que même Or, Behema, Temea, c'est Mekabel, Bishrassim. Ouais. Enlève le haut, enlève-moi ce limout, tu peux l'apprendre à partir d'un Kal Vachomer. Comment? Si déjà, Nosa Shel Izim, ouais, oui. Nosa Shel Izim, que dans Negaim, c'est faible, il n'y a pas Tum'a. Et dans Chassim, c'est fort. Yatum'a. Ouais? Oui, oui. Alors, Or Bema Temea, que dans Negaim, il y a. Kol Sheken, que dans Chassim, il y a. D'accord. Alors, all right, thank you. Bon, la vérité, à ce genre de questions, on peut répondre parfois facilement en disant Mita de Hachab et Kavachom, Talach et Katav Lakra. Oui. Bon, en Kanyere, la Gemara, elle ne répond de cette manière-là que quand elle n'a pas le choix. Quand on n'a pas le choix, on répond de cette manière. Veyesh Lomar, on va voir c'est quoi la réponse que Tosot propose. Veyesh Lomar, de ilo awa k'tiv kara bishrasim, si la Torah n'avait pas amené le limou de O, ouais, O pour inclure shrasim ki yatum at or behemat emea, alors, les kalimila for bemat emea bekal vachomel mingaim. Lo bishrasim, velo beoelamet. Il fait fort là, Tosfot. Je ne sais pas comment il va faire. Tosfot, tu dis, tu sais, si je n'avais pas le haut, le kal vachomel qu'on est en train de faire maintenant, je ne peux le faire ni pour oelamet, ni pour shrasim. Pourquoi? Velo voilà, des kalimima. Parce que je peux te dire, Sheti Waerev Yochiyah. Sheti Waerev, il prouve. Pourquoi Sheti Waerev, il prouve? Sheti Waerev, il y a dans Tumat Negaim, mais il n'y a pas dans Tumat Oed, mais il n'y a pas dans Tumat Shrasim. Alors, je fais même ton Kal Vachomer que toi, tu as fait l'Agmara, je te fais sauter. Ouais. On posait la question. Et tu vois maintenant que tu as dans Shrasim, tu as Tumat Or Bema, Temea, Semekabel, Tumat Shrasim. Tu n'as plus cette pircha là. Pourquoi tu n'as plus cette pircha là? Et c'est la raison pour laquelle dans notre Gemara, je me permets de le faire pour Tumat Oel. Alors, Tosfot dis Avalashtad, Jirchiv, Tumat Bishrasim, Yalfinan, Shapir, Bekal, Wachomer, Mingaim. Yalfinan Shapir Bekal Vachomer Min Gaim. Shaitma Beoelamet. Pourquoi? Alors il y a toujours la pircha. Veleka le memar Shiti Vaerev Yochiyah. Pourquoi? Dema le Shiti Vaerev Sheken Enometame Bishrasim. Tomar Beor Behemat Mea. Shemtam A Bishrasim. Achinamitame Beoelamet. Quoi? C'est quoi la réponse de Tosfot? Regardez, réfléchissez bien, regardez. Maintenant que j'ai dans Tum'at Shrasim, j'ai prouvé que j'ai un limout, pardon,
qu'il y a que Orbematimea Yatumashim, je n'ai plus la pircha de Shitiva Erev. Pourquoi? Dans notre Mara. Pourquoi je ne l'ai plus? C'est quoi ta pircha? Regarde Tumat Negaim, Yashtiva Erev, qui n'a pas dans Elamet. D'accord? Alors, de soi disent les Kalemema, Shitiva Erochia. Pourquoi? Tu ne peux pas objecter à partir de Shitiva Erev. Shitiva Erev. Il n'y a pas dans Shrasim. Et malgré cela. Ouais. Mais Orbema Temea, il y a dans Shrasim. Ok. Shetiva Erev, il n'y a pas dans Shrasim. Mais Orbema Temea, ouais. Shemtama Beshrasim, Akinami Tameboelame. Là, il est en train de répondre à la première question. Normalement, il a répondu aux deux. Il y a intérêt, là, non? Ouais, ça répond. Ouais, il a répondu aux deux questions. Le Ritva, il dit ça, Manu. Il dit ça? Le Tarar Vekata Vlakra. Le Ritva, il dit ça? Ouais. Ouais, mais bon, on peut le dire plein de fois, ça. Mais même Tosfot lui-même, après, dans quelques lignes, là, il va le dire. Ouais. Alors, je saute tout le Tosfot Yeshamim, c'est trop long. Regardez la suite. Là, je suis en bas de Tosfot, tout en bas là. Alors, on n'a pas fait la suite. Plus tard, la Gemara va poser la question. Bon, qu'est-ce qu'il en est du Tahash maintenant? C'est Or Bematéora, c'est Bematéora ou c'est Bematéméa? Qu'est-ce qu'il en est? Ouais. Alors, Tosfot demande. Sal Mikos, il demande, mais pourquoi la Gemara pose la question? C'est pour que l'aide est Tahor, Raya. Normalement, tu dois savoir qu'il est Tahor. Pourquoi? Mide istrich kara bishlasim le tamé or be matemea. Tu vois, j'ai eu besoin de shlasim, que or be matemea, c'est dans shlasim, pour pouvoir prouver que Ohel, que le Ohel, il est. Mais il tamé. Est tamé, même si c'est Bématiméa. Ok. Mais si le Tahash était tamé, ouais. Est-ce que j'aurais besoin? J'ai pas besoin. Ouais. D'accord. J'ai plus besoin. Et j'apprendrai aussi que dans Shrasi, moi, Bématiméa, c'est tamé. Donc tu vois bien de là que c'est tamé. Que le Tahash est tamé. Regardez dans les mots. Si moi je tiens à ce que j'apprends comme ça, que j'ai appris le Bématiméa Mishratzim, j'aurais dit que le Tahash est tamé, la preuve que j'aurais besoin. Mais nous, on a changé complètement. On a dit qu'on va l'apprendre de Kalba Omer. Attends, je ne comprends pas ce que tu dis. La Gemara pose la question à la fin de la Sugya. Finalement, le Hortar, il est Tahor ou il est Tamé? Ok. Je te réponds. Tu sais, il est Tahor. Comment? Parce que s'il avait été Tamé, je n'aurais pas eu besoin du Limoud de Shrasim dans Orbe et Matemea. Ah oui, parce que. Ah oui. Parce que même dans le Kalva Homer, Ben Gaïm, pourquoi le Mishratzim? Parce qu'il a dit. En fait, c'est lié à ce qu'il a dit Tosfot juste avant. Tosfot, il a dit quoi juste avant? J'arrive à faire le Kal Vachomer de notre Sugya que grâce au fait, ouais, que j'ai dans Shlasim, j'ai le limoud de haut. Ah. Ouais. Grâce à ça, j'arrive. Et grâce à ça, j'arrive à prouver que tout ma Ohel, ouais. Même si c'est OLBMA TMA, c'est Tamé. D'accord? D'accord. Très bien. Grâce à ça, j'arrive à enlever la pircha de Shtiva Erev. Ça dit très bien. Tu as vu tout ce que j'ai besoin pour prouver? Ça veut dire que d'emblée, je n'ai pas que Tahash c'est Tamé. Tout ça, c'est parce que c'est Tahash c'est Tahor. Mais si c'est Tahash c'est Tamé, tu fais le raisonnement à l'envers. Bien sûr. Tu sais que tu aurais su. Enlève le haut. Enlève le haut de Shrasim. Tu sais que Oel Ahmed, c'est même Bema Temea.
Mais et apprends dans Shrasim à partir de Negarim que même Bematimea, Or Bematimea, c'est Mekabel Toumat Negarim. Voilà. Et tu fais sauter chez Tivarelev grâce à Oelamet, Omri ou le Binyan. Tu fais le Binyan, au lieu de le faire comme on l'a fait avec Shrasim, tu le fais maintenant avec Oelamet. Ouais. Alors, tout ça de répondre à notre ami Miltad Dacha avec Alva Homer, Tarach avec Katem l'Akra. C'est très facile, Tarach avec Katem, l'autre Tarach les Gamre. Je crois qu'il répond ça, tant que je ne me trompe pas. Je ne sais pas si Admir Khalek Alamad d'ailleurs, depuis le temps, ouais, c'est ça. Verche Asal Mikosi, je reprends dans les mots, juste qu'on finisse. Verche Asal Mikosi. מאי באי בסמוך מאי בעלה דתאה שתיפולה דתאור היה מדי שריך רב ישרסים לתמי אור בהמה תמיה די תמי היה לשתוק רב ישרסים וצ'יצ'י בכל בחומר מנגעים דעשתה לכמל לקה לממש צ'י וערב יוכיח דמר צ'י וערב שכן אין מתמאין באוהל אמת כלומר באור בהמה תמיה די מתמא באוהל אמת כמו נתאה שתמי היה ויש לומר דמי החלק על המפשע דתאור היה. Tu ne peux pas répondre, tu ne peux pas prouver de manière certaine que c'est Tahor. Pourquoi? Parce que c'est des affils où ta mère aya. Parce que même si c'est ta mère, c'est possible, comme on l'a déjà vu parfois dans la Torah. Miltad Acham Bekalvachom, Altarah Rekatav Lakra. C'est pour ça que je reste dans le doute. Des affils où ta mère aya, que tu me chassines, des miltad de l'Ora Kalavia. Veod, Omer Rash, c'est pas Rashi, il faut dire Rash, des chassines, l'Oatum, Mikalvachom, El Mingarim. דקל מפרח שותק לעור יוכיח דמתמה בן גאים ולא בשלסים. Deuxième réponse, je ne peux pas apprendre, je suis obligé d'écrire ce O là. Je ne peux pas apprendre Bema Temea dans Shlassim à partir de Negaim, parce qu'il y a une pilcha. C'est quoi? Pshutek lior. Ouais, c'est dans Toumat Negaim, mais ce n'est pas dans Toumat Shlassim. Et selon le Kavachama, ça devrait l'être. Or, ce n'est pas le cas. Donc, tu vois bien qu'on ne peut pas apprendre. Pourquoi elle n'a pas utilisé ce dihaya de la Gemara? Ce théor? Non. Dans notre Gemara, nous, on n'a pas parlé de ça. Très bien. Alors, on a fini la Gemara. On avance. Demande la Gemara à Vela, de Tanera Yosef, l'or, charou, bemlechet, amish, blechet, shamaim, et la orbe, mateor, abilvat. Demande à Gmara ce qu'il a enseigné à Yosef finalement. Alors c'est pour quelle halakha? Finalement, on a prouvé que le tarha, pas le tarha, que ça veut dire Bish Lama si Rav Yosef, ce qu'il a dit quand il a parlé sur le Mishkan. Ouais, il nous avait appris que le Tahash était Tahor. Il n'y a que, halakhiquement, aujourd'hui, halakhiquement parlant, il n'y a que le Or, Behema, Théora, qui est Mekabel et Tum'a, quand c'est un Oel. Ouais. Alors c'est bien. Mais finalement, on a fait tomber ça. Même Or, Behema, Temea. Ouais. C'est Mekabel et Tum'a. Alors si c'est comme ça, Rav Yosef, il est venu m'apprendre quoi? Que le Tahash, il est Tahor. Ouais, ça serait ça, quoi. Le Tahash, il est Tahor. On dirait ça le but de Rav Yosef. Ouais. Mais il faut que. Mistama, on dirait la Kavana du marché. Mistama, Rav Yosef, il est venu m'apprendre quelque chose qui est pratique à la Khalema Asse. Parce que si c'est pour me dire ce qui s'était passé dans le passé, Maïde Awa Awa. Regardez Rashi. Et là, a des tannés Rav Yosef. Kiwan de Ravin an Or Behema Temea le Oelamet, puisque finalement on a inclus qu'Or Behema Temea ya Oelamet, ça dit Tametumat Oelamet, ah de Tane Rav Yosef le Maïl Cheta. Tu vas me répondre bah, pour me dire que le Tahash il était Behema Teora, c'est ça que tu vas me répondre, ouais. Bah Maïdea, wa. Il lave les Miraf Minet et les Touma. La page toute de Rashi a une Kushia quand même. On dirait que Rav Yosef il ne peut pas venir m'apprendre quelque chose qui était dans le passé. Maïde Hawa Hawa. Ouais. Parce que c'est Hawa Hawa. Oui. Mais qu'est-ce que c'est Maïde Hawa Hawa? Maïde Hawa Hawa.
Machayaya, le problème qu'il y a dans le pirouche rachi. Abdel Halim Hafed. C'est quoi le problème qu'il y a dans le pirouche rachi? C'est que Bémet, plus tard, la grande a posé la question. Sauf, or tahash. Tahash, bématera ou bématemea. Mm-hmm. Donc tu vois bien que la Gemara, elle s'intéresse quand même au passé, ce qui s'est passé au passé. Donc ça, c'est une couchée qu'on a sur le pirouche de Rashi. D'accord? Il y en a qui expliquent, et il y en a même qui expliquent que c'est ça aussi la Kavana de Rashi, qu'en fait, des mots de Rav Yosef, on ne voit pas qu'il voulait enseigner que ce qui était dans le passé. On voit qu'il voulait aussi nous enseigner une halakha dans le présent. Et c'est ça le problème. D'accord? Quel halakha dans le présent on apprend des paroles de Rav Yosef? Là, vous êtes une seconde. Là, on est en train de dire, est-ce que Behemat Emea Metamet Baohel? Alors, on dit, alors, on a apporté. Oui, on a répondu, oui. On a apporté, on a dit oui. Oui. Donc, quand on dit la Mishkan, donc, le donc, on a dit que dans la Mishkan, Metame, Behemat Emea, Metame Baohel, Baohel, c'est la Mishkan. N'est-ce pas? Oui, alors? Et alors, dans ce cas-là, pas dans le Mishkan, il n'y avait pas dans le Mishkan ça. Mais si maintenant, aujourd'hui, je fabrique un Ohel avec une peau de Behemat Emea, oui. Eh bien, à part que la Touma, elle se diffuse dans tout le Ohel, même la peau, elle est tamée. Okay. Bien sûr, j'en sais rien dans le Mishkan ce qu'il y avait. Je ne sais pas si le Tahash est en tamé. Mm-hmm. Voilà, c'est tout. Alors, si tu dis le Tahash qui est tamé, eh ben, je l'ai d'emblée, le limoud. Je n'ai pas besoin de faire ce qu'on a fait. Explique-moi maintenant. Maintenant, je me suis confondu complètement. Maintenant, je ne comprends plus rien de la prochaine. Et là, Aditane Rabbi Sef, là, tu as semé le chat, le chemin, mais la maïaoura, tu es matéora. Bilbad, maïaoura, c'est quoi ça? Rav Yosef, il a voulu nous apprendre à partir de là que le tahash est tahor. Et il n'y a que Ohel Bema Tehora qui est Mekabel et Touma. Voilà. Agma, finalement, elle a conclu que non, c'est faux. Même Or Behema Temea, c'est Mekabel et Touma Toed. D'accord. Quand il est Ohel, ok. Alors, demande Agma, alors Rav Yosef, il est venu apprendre quoi? La braïta que Rav Yosef a amenée. Ouais. La braïta que Rav Yosef a amenée. L'Och Shalom Lechet Shamaim et la Or Behema Tehora. De quoi il parle? Ok. C'est tout. Mm-hmm. Bon, ça c'est la traduction. Donc, vous voyez dans les dafiomites dans le monde, c'est comme ça qu'ils vont expliquer. OK? Maintenant, si on propose, mais bien sûr, ce n'est pas une question ça. Même, je te répondrai que Rav Yosef est venu m'apprendre que le Tahash l'est dehors. C'est tout. Question. Cette question, c'est Rashi qui la pose. Mm-hmm. Et Rashi répond, le pshat de Rashi répond. Tu ne peux pas, Rav Yosef, m'apprendre quelque chose que dans le passé. D'accord? Le Tahash là-bas, qu'il était. Maïda, wa. Ah! Ce n'est pas à l'achat actuel. Ok, ok. C'est le Pshat de la Chie. Bon, je ne sais pas si c'est le Pshat de la Chie, mais en tout cas, la Chie ou les Shonim, comment ils expliquent la Chie. D'accord? Okay. Donc, et c'est quoi cet halakha? Voilà la couchée de la Gemara. La chère de la Gemara. Pour quelle halakha? Les tfilines. Pour te dire que les tfilines, d'accord, quand tu les écris, tfilines c'est Mechet Shamaim, n'est-ce pas? Mechet Shamaim, tfilines. Ouais, Théora, Théora, oui. Alors il faut l'écrire sur un parchemin qui est Bema Théora. Donc, la Gemara, tfilines, Bema Adjaktib Beou. Mais tfilines, c'est écrit clair. Les mains entières, Tora d'Hashem Beficha. Ouais. La Torah d'Hashem Beficha. C'est quoi Beficha? Voilà, c'est-à-dire qu'elle doit être écrite sur un parchemin que tu peux le consommer. Mm-hmm. Elle change. Et là, la peau des tuilines, c'est-à-dire les boîtiers des tuilines. D'accord? Les boîtiers des tuilines. C'est ça. Ouais. Ça aussi, il faut qu'il soit métal. On n'écrit pas ça. On n'écrit pas dessus Torah Tachem. Bishlama le klaf, oui, mais le boîtier. Et là, Léora, demande la Gemara, Ve'amar Abaye, Shin, Shel Tfilin, Alakha, Le Moshe, Misina. Et là, je vais faire la Gemara comme Rashi.
C'est quoi la question? Mais Shin, qui est sur le boîtier, c'est la Khalem Moshemisa. Et alors? Rachid dit, mais le Shin, c'est quoi? C'est pas ça, mais Shin. T'as le Shin, t'as le Dalet, t'as le Yud. En tout, ça fait le nom d'Hachem. Le Shin dans le boîtier de la tête, le Dalet derrière, la nuque, ouais, le Yud dans la main. Ouais. Donc, ça, c'est Torah Tassim. Donc, ça fait que. Ça fait que on est en train d'écrire quelque part le nom de Dieu. Donc c'est Torah Tachem. C'est Torah Tachem. Donc si c'est Torah Tachem, je sais que c'est Mina Moutar. Beficha. Beficha. D'accord. Rabbi Yeshin, Shelfin, Inalacha, Le Moshe, Misinaï. Et là, le Korchan, Bisaran, Utofran, Begidan. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi? C'est les guilim avec lesquels les parachiots, quand tu les mets dans le boîtier, tu les enfermes, tu les attaches avec des séharot, ou bien tu les boîtiers, tu les couds avec des guidin. Alors il faut que ce soit les séharot et les guidin. D'une bé, ma théora. Ouais. Ce soir, tu poses la question, le dernier, tout soir, du hameau. Tu dis, mais là, qu'est-ce qu'il a dit, Rav Yosef? La Braïta, qu'est-ce qu'il a dit? L'or charou. Allez-y. L'Oksharu. Timaleri. Non, c'est non, ça? Non. Laisse. Toi, soit, il a dit quoi? Rav Yosef, il a dit quoi? L'Oksharu. Ah, l'Oksharu. M'lech et Amishka, Shamaim, et la Or Behema. Qu'est-ce que tu parles de Seharot, là? Comment la Gemara a osé proposer qu'on parle de Seharot et de Gidin? Ouais. Arrête. Les paroles de Rav Yosef, c'est sur Or. Ok. Ce Kouchia de dernier Tosfot du Hamoud, la dernière ligne là-bas, Kouchia de Rashba, ouais, sans tirous, sans réponse. On continue. Je reprends la Chakla Vétal et la Gemara. Et là, les Korchan, Bissaran, Ultofran, Begidan. Dit la Gemara, un ami, Alakha le Moshe Misinaï. La Gemara demande, mais ça aussi, c'est Alakha le Moshe Misinaï. De Tania, Tefilin merubaot alakha le Moshe Misinaï. Pardon. Tefilin merubaot, c'est alakha le Moshe Misinaï. Quel rapport avec le Gidin? Nichrachot de Seharan. Venitfarot Begidan. Ouais. C'est la Khal Moshe Misinaï qu'ils sont mirubaot, vititita, titata, tititi. C'est ça. Titi. C'est-à-dire que c'est ça qu'il veut dire. Les tfilin mirubaot, la Khal Moshe Misinaï qu'ils soient mirubaot, qu'ils soient begidan, tout ça c'est la Khal Moshe Misinaï. C'est quoi le mot begidan? Exact. C'est quoi le mot begidan? Nichrachot de Saran, nichfarot begidan. Bigidim. Ah? Bigidim et Saharot, comme on a dit. Rachid, il dit quoi? Ah, là, il faut que je mette des lunettes. Vraiment des lunettes. Bissaran, Bissar, Bissar, Aklaf. Shelmin Aklaf. Venit parod begidan shilmin aklaf. Lomar beshel teora. Donc, comme tu as dit, il doit être taor. On le sait, ça, que c'est taor. Comme le klaf lui-même. D'accord? Alors, le klaf, on sait que oui. Et là, les reçoit, la gemara change. De quoi aller? Là, on parle de reçoit. Rav Yosef, il est venu m'apprendre au sujet des reçoit. Les lanières, elles doivent être faites en peau de BMA. Théora. Alors, Fashim pose la question, ils disent, mais attends, je ne comprends pas, mais il y a le Dalet et le Yud dans la peau. Alors, le Ramban, il répond, mais ce n'est pas une vraie écriture. Ce n'est pas comme le Shin qui est plissé. C'est pas une vraie écriture. Quand tu fais la tâche, tu fais la forme de la lettre. D'accord? Et Tosfot, plus tard, dans sa merbette, je crois là-bas, il va dire Tosfot,
Tosfot là-bas, il dira qu'en fait, le Dal, de là, on voit, de notre Gemara, on voit que le Dal était le Yud, ouais, de Shin Vedal et de Yud, ouais. Eh bien, en fait, ce n'est pas la Chale Moshe Misinaï. Dal était le Yud. D'accord. Bon, ça, c'est une parenthèse. Demande la Gemara et là, je saute. Voilà pourquoi Rabbi Yosef, voilà pourquoi Rabbi Yosef dit... a parlé. Voilà pourquoi Rabbi Yosef, il a parlé. Demande la Gemara, Veha Amar, Rabbi Ishaq, Resuot Shchorot, Alakha le Moshe Misinaï. Voilà, il y a marqué, les Resuot Shchorot noirs, ils doivent être Alakha le Moshe Misinaï. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Et donc, Puisque les Souhot, c'est Alakha le Moshe Misinaï, même le fait que c'est Tahor, a priori, c'est aussi Alakha le Moshe Misinaï. Ouais. Et alors, pourquoi tu ne dis pas que c'est ce qu'il est venu m'apprendre, Rav Yosef? Quand tu vois la braïta de Rav Yosef, on dirait qu'il n'est pas en train de t'enseigner une Alakha le Moshe Misinaï. Voilà la coucha de la Gemara. De la braïta, on ne voit pas que... Pourquoi? Rachid a le problème. Et qui t'a dit que Rav Yosef n'est pas venu t'apprendre la Chale Moshe Misinaï? Qui tu lui veux? Non, ce n'est pas machma des paroles de la braïta de Rav Yosef. D'accord? Réponds la Gemara. Ve'amad, donc, réponds la Gemara. Nei digmire shchorot, teorot migmire. Bien que tu as raison. Le fait qu'elles doivent être noires, c'est à la Chale Moshe Misinaï. Mais qu'elles viennent d'une Behema Teora. Est-ce que c'est à la Chale Moshe Misinaï, ça? C'est pas à la Chale Moshe Misinaï. Et c'est ça ce qui est venu t'apprendre, Rav Yosef. Voilà ce que Rav Yosef, dans la Braïta, il est venu t'apprendre. Ok. Quoi? Demande à Gmara, qu'est-ce qu'il en est finalement? Du Tahash. Un sujet de Tahash. Shayabi Memoshe. Amar Abila. Rashi dit Maya Ala de Tahash. Oïd Drav Yosef, là où l'Aïdien Mlach et Mlacha de Mishkan Itmar. Lo Ipshit Bayan. Finalement, Lo Ipshit Bayan. Regarde le Pshit Bayan. Il n'a pas réglé le problème. Est-ce que Tahash, c'est Tahor ou c'est Tamé? Tahor, non. Ah, mais la Gmara, je ne sais pas. La Gmara, je ne sais pas, toi, tu sais. Donc là, le Pshit Bayan, on va essayer de voir. Finalement, qu'est-ce qu'il en est? Ah. Alors, dit la Gemara, Shayab répond la Gemara, Amar Abila, Amar Abishman ben Lekish. Omer aya Rabbi Meir, Tacha Shayab ima Moshe, Bria bifne asmaya, Velo ekhri uba hachamim. C'était une créature à part entière. Et hachamim n'ont pas fixé imin haya o imin behema. Hachamim n'ont pas tranché si c'est une haya ou une behema. C'était un animal qui avait une seule corne, comme la licorne, vous voyez. Et c'était uniquement à la construction du Mishkan qu'elle a apparu devant Moshe. On a fabriqué le Mishkan avec elle. Et après, il a disparu. De par le fait qu'on a dit qu'il avait une seule corne dans son front, Shma minat taor aya. Why? Comment on sait ça? Comment on sait qu'ici, il a une seule corne, il est taor? Donc, on connaît le principe qu'un animal qui a deux cornes, ouais, la Gemara, comme ça la Gemara, elle dit dans Nida, l'animal qui a des cornes, il a forcément des. Il est mafris par ça. Dès l'instant où il est mafris par ça,
il est forcément ma'alegera, sauf le hazir. Mm-hmm. D'accord. Et ça, c'est vrai dans deux cornes. Mais une corne, d'où on sait. Si tu me mets une preuve d'un animal qui est kasher, qui a une corne, c'est bon. Pourquoi ? Ça veut dire que le principe n'est pas uniquement pour deux cornes, même une corne. Ouais. Alors, Bébête, on va trouver que le shor que Adam Arishon il a offert en tant que korban à Kadosh Baruch Hu, il avait une seule corne. Et c'était un shor. Shor par, ouais. Donc, il est kasher. Donc, le tarach est kasher. Voilà le dimoud de la Gemara. D'abord, Rabbi Yehuda, shor, shikriv, Adam Arishon, keren achat, aitalo, bemisho. Il avait une corne dans son front. C'était mieux pour Hachem. Mishor par David Amelech dit. Mishor par Makrin Mafris, qui est encorné, c'est-à-dire qu'il a des cornes. Et Mafris, il est allé pras, il est allé à bon fondu, quoi. Ouais. Demande la Gemara, Makrin, tarté Mashma. Makrin, c'est Mashma. Il a des cornes, normalement. Il a deux cornes alors. Et pour la Gemara, Marav Nahman Bissar, Makran, il écrit sans Yud. D'accord? Donc, il a une seule corne. Mekkeren. Velifshot miné de min behemahou. Ouais. Alors, pourquoi ne pas dire aussi c'est un min behema? Étant donné que le short c'est une behema, alors sûrement le tachash aussi c'est une behema. C'est pour la Gemara. Il y a un autre animal qui a une corne. Et lui, c'est une chaya. Qui va en des kakerish. De min chayaou. Veletle ela. Hadaker, lui aussi, il a une seule corne et Kalememal min Hayao, donc je ne sais pas. Puisque j'ai le Tahash, il a une corne. En fait, il y a trois animaux qui ont corne. Le Shor de Adam Arishon, le Keresh, lui aussi a une corne. Le Shor, c'est une Behema, le Keresh, c'est une Haya. Le Tahash, il a une corne, mais je ne sais pas où est, dans quelle catégorie il rentre. Dans la catégorie Keresh ou dans la catégorie pas. C'est pourquoi? On ne sait pas si c'est une Béba ou une Haya. Très bien. Allez, vous pouvez me faire cadeau de Tosfot Tfilin? Alors, attends. Cadeau. Donc, Tahash, c'est quoi maintenant? Tahash, c'est un safer si c'est une Béba, haya, béba ou Haya, mais on sait qu'il est Tahor. Voilà la conclusion d'Agmara. Deux, je sais, parce que Keren. Parce qu'il a une seule Keren. Or, une Keren, on a appris que celui qui a une Keren, il est Tahor. Au même titre que celui qui a deux cadres en état hors. Mais à part celui. Et même Haya, que l'on marque. C'est-à-dire, même si on parle de Haya, si l'un crée un hat, c'est Tahor. Haya. Keres. C'est un Keres, c'est Tahor. Ouais, on dirait. Bon. Si c'est ta main, on aura un problème. Ouais. Le Keres, on en a parlé dans ma serre et Trolline. De lui. Ok, vous me faites cadeau de Tosfot Tfilin Béadia ou bien on doit le faire? Avec plaisir. Avec offert. Plaisir. Tosfot, au moins les mails, les chétans, l'eau barre les mémoires de Hashmoinan de Tahash Taoraya, les mémoires de Tel Hashmoinan Shum Sorekora. Ok. Juste, je vous dis de quoi il parle Tosfot Tfilin Béadia Ktibéou. La bouchia essentielle de Tosfot. Ouais, c'est la Gemara, elle dit, mais il y a un pasouk. Et à la Khalem Moshe Misina, il dit, mais alors, c'est ce qu'il est venu t'apprendre à Yosef, qu'est-ce que tu lui veux? Ouais, la Gemara, elle est arrivée jusqu'à dire que, en fait, il a appris au sujet des Reswantes. Les Reswantes, elles doivent être des maths. C'est ça, le limout de la Yosef, c'est sur les Reswantes. Conclusion de la Gemara, c'est ça. D'accord? Shchorot, c'est à la Khalem Moshe Misina. Mais qu'elles doivent être, les lanières doivent être. Théorot. Ça c'est. Ouais. Mais la Gemara, à chaque fois, comment la repousser? Tu sais, Rav Ishaq, il nous a dit. Tu sais, Rav Abaye nous a dit. Tu sais, et alors? Tu as dit, moi, et alors? Abaye t'a dit, et Rav Yosef, il a dit avant. C'est quoi cette mouchiote là? Voilà la mouchiote de Tosfot. Ah, Hazak. Okay. Alors, on ne te fait pas cadeau, tu fais rien, comme elle est. Ah. On ne te fait pas cadeau. Allez, fais-le. Faites-le. Au moins, je vous ai donné le goût de le faire.
Ok. Céline va déjà. On est un petit peu tard. Matnitin. Petila taberet chikipela ou eloi vava. Rabbi Eliezer omer te meahi ven balikin ba. Rabbi Akiva omer te orai omer likin ba. Heureusement qu'on ne le fait pas avec, avec l'air. Petila taberet. Non, à la fin, quand on finit, tu nous fais avec l'air. Petila taberet chikipla. Vous avez la petila, elle a été petila, qui est à base d'un vêtement. Qu'il a plié, il a tordu le vêtement, il a plié le vêtement pour en faire une mèche. Petila taberet chekipla. Veloi vava, ça veut dire qu'il n'a pas mis le feu pour que ça prenne bien, pour que la mèche prenne bien. Loi vava, il n'a pas brûlé, d'accord? Il n'a pas mis la chaleur avec la flamme sur elle. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, tu sais, la mèche, Tmeaï, elle est Tmea, d'accord? Quel rapport tu m'as dit? Une matelikin bas, c'est tout. On a parlé en haut de Touma, non? Oui, on mais. On a pas parlé de Touma. Une matelikin bas. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi Téméa? Hirachi dit si maintenant elle était de trois doigts sur trois doigts, bien qu'il a plié, le kipoul, il n'est pas mévatel le trois doigts sur trois doigts. D'accord. Rabbi Eliezer Omer Temeai ve'en madlikin ba. Pourquoi? On verra dans la Gemara la raison. Rabbi Akiva Omer Teorahi Omadlikin ba. Quand il est selon Rabbi Akiva, le kipoul, il enlève. Il enlève le beged. Il a plus trois doigts sur trois doigts. D'accord. Donc c'est tahor. Omadlikin ba, on peut allumer. Pourquoi? On verra dans la Gemara. Gemara. L'agmara cherche à comprendre c'est quoi la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva au sujet, sur ces deux sujets-là. En fait, il y a deux mahloket ici. Il y a un, est-ce qu'une fois qu'il a plié le vêtement, il est tamé, mekabel touma ou pas? Rabbi Eliezer dit oui, Rabbi Akiva dit non. Deuxième chose, est-ce que je peux l'utiliser pour allumer? L'utiliser en tant que mèche, pour Shabbat. Rabbi Eliezer dit non, et Rabbi Akiva dit oui. Elle veut savoir c'est quoi le fondement de leur mahlok. Alors, dit la Gemara, Bish la malenyan tuma bea plig. Au sujet de tuma, je vois la mahlok. De Rabbi Eliezer Savar, kipoul et non mo'il. Le kipoul, ça n'a rien fait. Le fait de l'avoir annulé le vêtement, ça reste un vêtement de trois doigts sur trois doigts. Il reste, il garde sa première nature. De Rabbi Akiva Savar, kipoul mo'il. Ou plutôt les bâtis. Le pli. Ah, et il a fait ce qu'il a fait, et donc il a rendu batel cette truc-là, ce vêtement-là. Et là, pourquoi il permet qu'on l'utilise, et l'autre il interdit qu'on l'utilise en tant que adlaka. Allez, on y va. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hoshaya, Vechen Amar Avada Barava. Acha, Beshalosh al Shalosh Mesum Samot Askinan. On parle d'un tissu de trois doigts sur trois doigts, pile. Et nous parlons que vendredi, c'était un jour de Yom Tov. Où découle Alma, Itleo de Rabbi Yehuda. Et tout le monde, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, tiennent ce que dit Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? De Aman, Mesikin, Bekelin, Ven, Mesikin, Beshivre, Kelim. On peut brûler pendant Yom Tov des ustensiles, mais on ne peut pas brûler avec Shivre, Kelim. Tu avais un Kelim qui, pendant Yom Tov, s'est cassé. Tu ne peux pas utiliser Shivre Kelim. Pourquoi? C'est Nolad. Rabbi Yehuda, il a Nolad. Rabbi Shimon, il n'a pas Nolad, mais Rabbi Yehuda, il a Nolad de Yom Tov. Maintenant, on est Yom Tov, on est vendredi, c'est Yom Tov. Ouais. Et tout le monde tient le principe de Ola. Que dit Ola? De Amar Ola, Madlik Sarik, Shadik, Berov, Ayose. Quand tu allumes, il faut que tu laisses ta main allumée, quand tu allumes les Nerot de Shabbat, par exemple, ta main avec la flamme devant la mèche jusqu'à ce que la mèche, la partie de la mèche qui sort, le rov soit pris par la flamme. Après, tu peux retirer ta main. D'accord? Tout le monde tient l'idée de Ola. Maintenant, Rabbi Eliezer Savar Kipul Enomoril. Rabbi Eliezer lui pense que quand tu as plié le vêtement, Enomoril, on s'en fiche de ce que tu as fait. Ouais, ça n'a pas de valeur.
Donc, ça s'appelle toujours un vêtement de trois doigts sur toi, trois doigts. Bien, M. Timbo. Et combien il fait ? Trois doigts sur trois doigts, mais sous sam, n'est-ce pas ? Vekivan. Une seconde. Voilà. Vekivan. De Adlik B. Pourta. Et quand tu as commencé un petit peu à l'incendier, ouais, à l'enflammer, ouais, tu dois garder ta main, n'est-ce pas ? Donc, tu l'as diminué un petit peu. De trois doigts sur trois doigts. Quand tu diminues de trois doigts sur trois doigts, tu es en train de lui enlever le shembeg. C'est passé de trois doigts à trois doigts à moins. Donc, tu es en train de le détruire. Ouais. Tu es en train de... Ça s'appelle shevelkeli. Et comme ta main, tu ne dois pas l'enlever comme djeroula jusqu'à ce que le rov ayosei prend, tu es en train d'utiliser quelque chose qui est nolade. Tu n'as pas le droit. Mmh. Voilà pourquoi hein, Rabbi Eliezer a dit « En madlikin » Bon, d'accord. Regardez dans les mots. Rabbi Eliezer savait qu'il pourrait nous mourir. Lui qui va dire mais pourtant, il y a les chevelkeli. Ça s'appelle chevelkeli. Et quand il a lu, le chevelkeli, quel est Kamadli? Rabbi Akiva savait qu'il pourrait mourir. Rabbi Akiva a dit qu'il pourrait, ça marche. Ouais. Ven Torah Keli Alao. Tu vas me dire, mais qu'il pourrait, ça marche. De quoi ça marche? Mais s'il a fait le kippour pendant Yom Tov, tu as le même problème. Ça s'appelle nolad. Au départ, c'est un vêtement. Maintenant, c'est plus. Ouais. Non, le kippour, tu n'as pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Une mèche, tu ne peux pas la fabriquer pendant Yom Tov. Il faut la faire avant Yom Tov. Donc, avant Yom Tov, déjà, ce n'était plus un vêtement quand tu as fait le kippour. Donc, quand tu l'utilises pendant Yom Tov, ce n'est pas nolad. C'était déjà cassé, entre guillemets, avant Yom Tov, jeudi. C'était déjà cassé si tu as fait la mèche jeudi. D'accord, ven tolat keli ala, vechir kamadlir, bezbealma kamadlir. Et quand il utilise pendant Yom Tov, ça s'appelle qu'il est en train d'utiliser un morceau de bois. Voilà pourquoi il n'y a aucun problème selon Rabbi Akiva. Ah. Amar Rabbi Yosef. Fin. Donc ça c'est une première explication de la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Selon la Vada Barava ou selon d'autres hachamim qu'on a cités haut. Amar Rabbi Yosef. היינו דתנין השלוש על שלוש מסומסמות, ולא ידענה למעין חטא. דיר יוסף, je comprends maintenant la breita que j'ai appris de mes maîtres, qu'on parle de trois doigts sur trois doigts pile, et je ne savais pas sur quoi cela revenait. Eh bien, ça revient sur notre Mishnah pour expliquer la mahloket, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Baruch Adonai le'olam. Le'olam, amen ve'amen. On a fait l'erfoua ou pas, Rabbi Nimo? On a oublié. Tout notre étude, Be'adat Hashem, l'erfoua kol ha'cholim ou bichlalam. Avner ben Chana le Bet Hadad. Rabbi Yahya ben Aisha le Bet Tubun. Yosef ben Doli le Bet Ben Amu. Michel. Marcel bat Majriya. Vegam. Michel Cohen. Michel Cohen, Vegam, Shlomo Bar, René Bar Mijian, le Bet Rabelsi, Vegam, Shlomo Malka, Shlomo Malka, voilà. Shakadosh Baruch Hu Yirapem, Yishlach Lahem Refua Shlema, Amen. Yisrech Mehem Et HaKorona Hazeh Bekarov, Amen. Veyizku Liyot Bekarov. בבית שלהם. זאת איתנה ובעליה, אמן כן יהיה לעשות. אמן, חזק ברוך. מה בולה קונפיקס הכלר? תהדי, תחוזר עיקר, נו? תחוזר עיקר, דומן, תחוזר עיקר. בוא. אלור לבי... יהיה עונת 21. יהיה עונת 21, אוי. אוי, אוי. אה? דומן, זה להפת ג'ו טרווי, דומן. אה, דומן, יפה. ינאי מדי... Il y en a, il m'a dit de, demain c'est fermé. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a demain? Mais demain c'est fermé. J'ai dit, nous, ça fait un mois et demi qu'on est fermé. C'est... je dis, doigt. Non, ouais. c'est... Alors, la soubiette d'aujourd'hui, la page d'aujourd'hui, ce qu'on appelle en anglais, it was a bit friendly. What does that mean? Friendly, c'est-à-dire, c'est, comment dire, elle est faisable, elle est agréable, elle est... On peut le traiter, c'est quelque chose de bien. Il n'est pas... Non, la... en fait, tout dépend de comment moi je suis méchine. Ah non. C'est des sujets compliqués, moi, je trouve. C'est des sujets... Non, là, aujourd'hui, voilà, c'était bien.
Non, encore, on parle de tout match, etc. Ça, à partir de demain, ça va s'assouplir. Non, ce n'est même pas ça. C'est que des fois, tu te manques des notions et tu passes après. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, tu es obligé de passer à côté une fois, même si il faut bien les connaître, ces notions. De toute façon, c'est ceux qui parlent le moins et qui comprennent le mieux le plus. Ah. C'est pas le cas toujours. Hein. Bon, ok, Hazar, Hazar, comment on fait demain, Hachem, 3h15, on fixe. N'oubliez pas le Rambam, n'oubliez pas le Rambam. Allez. Mais ça, je vais déjà prier. Moi, je n'ai pas prié encore. Ouais, moi non plus. Ah, on peut. Agave, dites-moi, peut-être vous pouvez me répondre à la question. J'ai fait le test sérologique. Et non, je suis. Ouais, IgG et MgG. Il y a un truc comme ça, là. IgM, tu es positif ou négatif? Un positif, un négatif. Ça veut dire que j'ai les anticorps. Non, c'est bon. C'est bon, mais il y a le deuxième qui est négatif. Je ne sais pas c'est quoi. Alors, il y en a qui m'ont expliqué que le virus, il n'est plus dans moi. Ça veut dire. Oui, ça veut dire que. Ça veut dire que tu peux te balader. C'est-à-dire que tu peux te balader sans masque. Toi, tu habites, toi. C'est-à-dire que tu peux te balader sans masque. Il faut demander à des biologistes, à des médecins. Ah, mais c'est un biologiste qui m'a envoyé ça. Mais il faut que je l'appelle. Il faut que je l'appelle pour lui demander. Quand est-ce que tu as fait le test? Comment? Quand est-ce que tu as fait le test? Et aujourd'hui, je l'ai fait. Hazar Baruch. C'est un élève. Il a un élève à moi. Il étudie avec moi jeudi soir. Ah, c'est pour ça. Je sais qu'il ne donne, donne pas beaucoup de monde. Si tu n'as rien, il ne te donne pas. Non. Ah si, j'ai entendu que si tu n'as pas, tu n'as pas de symptômes ou rien maintenant. Ouais, il ne donne pas. Rien, non, mais il me l'a fait passer. À moi, il me l'a fait passer. Ah. Mais c'est où dans un labo, tu es parti? Moi, je sais que mon beau-frère m'a dit, si tu as les anticorps, tu peux te balader sans masque. Ah, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu vas rester tranquille. Non, non, un cadraïd. C'est pas le problème. C'est pas toi, c'est même les autres. Tu vas les contaminer. Voilà. Moi, non, justement, tu ne vas pas les contaminer, c'est ça? Parce que tu as eu et c'est passé déjà. Non, c'est pas vrai. C'est qui ton beau-frère? David de Hadour. Il est biologiste. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Tu peux avoir l'anticorps. David, il est dentiste. Et tu peux avoir les anticorps, mais tu peux avoir encore le virus. On ne parle pas de David. Tu peux avoir les anticorps. Il est très adoc, médacné, qu'elle est adoc, mais bon. Tu peux avoir l'anticorps et tu peux avoir les anticorps et encore avoir le virus. C'est pour ça que les anticorps, ils éliminent le virus que tu ne peux plus le transmettre. Normalement, c'est comme ça. Après, peut-être qu'il y a des détails, je ne sais pas. Bah, après, ça dépend quand est-ce que tu l'as eu, c'est ça le truc aussi. Ouais, bon, allez, là, la tof, Haïvri. Et c'était enregistré ou pas, en fait? Oui. Ah, ok. Allez, j'ai voté. Je vais te dire.